Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct pour suivre la troisième manche du championnat de Porsche Super Cup de la FFSCA. Bienvenue sur l'une des pistes les plus risquées, les plus dangereuses et les plus légendaires de l'histoire du sport automobile. Bienvenue eh bien, sur la Nordschleife en Allemagne, le Nürburgring qui nous accueille donc pour la troisième manche après l'ouverture qui aura fait quelques victimes, notamment Donny Hans du côté d'Interlagos. On a eu une deuxième manche qui a été un peu plus calme à Imola, malgré quelques bagarres en tête, le peloton était plutôt discipliné. Nous nous retrouvons aujourd'hui du côté de la Nordschleife. Donc bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir choisi de passer votre mercredi soir en notre compagnie. On va essayer ce soir de vous faire vivre eh bien, quelque chose en mieux que la dernière fois pour le GTE. Ne paniquez pas, la manche de GTE, la première manche de la saison qui a eu lieu la semaine dernière, vous sera reproposée en VOD, en recommandé, ne vous inquiétez pas. Ce soir, les conditions de piste vont être assez intéressantes parce qu'il pourrait y avoir de la pluie. Pour l'instant, c'est sec en Allemagne, on va vous tenir informé de tout ce qui se passe. La séance qualificative de 30 minutes vient de débuter. Les pilotes ont décidé de partir un petit peu plus tôt ce soir pour différentes raisons, notamment peut-être les soucis de procédure. On va vous expliquer tout ça dans un instant. Les horaires de base, les voici. 21h la qualification, nous sommes partis à 21h10, donc il y a déjà 10 petites minutes de retard sur le calendrier et surtout sur l'horaire de ce soir. N'hésitez pas dans le chat à nous donner un retour sur ce que vous entendez et ce que vous voyez, si cela vous plaît, si c'est de qualité et si surtout, eh bien, au niveau du son, c'est correct parce qu'il y a eu une petite mise à jour de l'ordinateur suite au souci technique. En tout cas, on va vous faire vivre cette saison entière puisqu'on va aller ensuite du côté de Barcelone en Allemagne, en Espagne, pardon, pour la quatrième manche. On va retourner sur des tracés un petit peu plus conventionnels qu'à l'habitude d'emprunter la Porsche Cup du Mans, son championnat du monde. Ce soir, il y a du monde puisqu'on va être tout simplement 26 pilotes en piste à l'attaque de la Nordschleife. La Nordschleife, on va la retrouver d'ici quelques instants, ainsi que les pilotes en piste. Vous allez voir que la qualité visuelle n'est pas celle habituelle ici, puisque la piste étant absolument énorme, c'est un petit peu plus compliqué de s'en sortir pour le streaming, donc on a une qualité un petit peu moindre. Les premiers pilotes entament leur tour rapide, on va vous montrer ça dans quelques instants. On va partir donc sur le jeu qui, à ma grande surprise, n'est pas disponible. Ah bah écoutez, on va vous le mettre là, à l'ancienne. Ça n'était pas prévu. Allez, donc on va faire ça. Voilà, comme ça, vous pouvez voir tout ce qui se passe. C'est encore mieux. Voilà, comme ça, ça va être bien plus agréable pour vous et pour nous. Voilà, le calendrier est encore sous vos yeux, ne vous inquiétez pas. C'était un petit souci, on vous l'avait dit. Il y a eu des changements qui ont été faits. Et normalement, voilà, la prochaine séance diffusée, ce sont les qualifications. Et on va se retrouver donc d'ici quelques petites minutes pour vivre donc la séance qualificative qui a débuté. Mais les pilotes sont en tour lancé, donc pour l'instant, rien à se mettre sous la dent. On repart dans quelques secondes du côté de la Nordschleife. A tout de suite.
Allez, c'est parti, on part en piste du côté de la Nordschleife. Vous découvrez donc la piste qui est en configuration 24 heures, c'est-à-dire que nous empruntons une partie de la piste F1 avant de partir sur l'ancienne piste de Formule 1 avec la grande boucle nord et les 25 km de piste. On est ici avec Pierre Clossé, le pilote leader du championnat actuellement. On va partir en caméra embarquée avec lui, voilà, sur le toit de cette Porsche dans l'enfer de cette boucle nord. N'hésitez pas à nous dire surtout si en caméra embarquée vous m'entendez bien avec le son du célèbre Flat 6 de ces Porsche. Allez, on entre dans des secteurs très serrés ici avec les enchaînements. Alors il va falloir retenir les virages. Il y en a 76 si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et il faudra eh bien, non pas les connaître par cœur, mais pas loin. On va prendre quand même nos précautions avant d'annoncer le nom d'un virage parce que j'ai beau savoir pas mal de choses, je ne connais pas tout par cœur. Donc il va être difficile de voir comment ça va se passer au niveau des qualifications. Eh bien rien de plus simple. Il suffira de partir faire un tour du circuit F1 et ensuite s'élancer. Les pilotes peuvent couper au niveau de la dernière chicane qui est normalement la dernière épingle du circuit du Grand Prix de Formule 1 qui a été utilisé je crois la dernière fois pour un Grand Prix d'Europe. À moins que je dise des bêtises. Non, il y a eu l'Allemagne au Nürburgring récemment. Il faudra que certains m'éclairent sur ce point-là au niveau du chat parce que je ne m'en rappelle pas. En tout cas, la qualification n'a pour l'instant pas d'intérêt puisqu'il faut bien attendre 9 minutes pour voir un tour rentrer. Alors au niveau des secteurs, les premiers secteurs sont en 2 minutes 50 pour les meilleurs, 2,54 pour Pierre Clossé, 2,54 pour Simon Pirard. On est en 3,01 pour Ludovic Furwi, 2,56 pour Philippe Renaud, 2,56 également pour Romain Thomas. Donc on va voir un petit peu où on en est au niveau des écarts. On n'a pas d'informations pour l'instant. La piste étant tellement longue, on vous l'a dit, alors qu'il y a des drapeaux jaunes déjà dans le troisième secteur. Ça commence bien. En tout cas, les pilotes sont motivés, ils sont 26 à se battre ce soir pour déjà arriver au bout. Ce sera déjà pas mal. Eh oui, ce son de moteur est plutôt excellent, effectivement. On va vous laisser profiter un petit peu du son de ce superbe moteur d'ici quelques instants. Allez, on passe sur le tableau de bord de la voiture de Pierre Clossé. Alors bien évidemment le chat, vous êtes présent, Grand Prix d'Allemagne 2013, merci à F1 TCP Samurai qui m'a précisé ce dont j'avais totalement oublié la référence, le dernier Grand Prix couru sur la Nordschleife, je ne l'ai pas, mais celui couru sur la piste du Nürburgring, c'était en 2013 évidemment. Et salut à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à partager ce live, à retweeter. Évidemment, plus on est de fous, plus on rit. N'hésitez pas à nous dire aussi d'où vous êtes posé pour suivre ce live. Alors, on va continuer la progression de ce tour avec Pierre Clossé. Est-ce que derrière, il y a du monde? Non, il est plutôt tranquille. On passe le premier carrousel. Le premier carrousel, celui de Caracciola. Si j'ai bonne mémoire, c'est Caracciola, je pense, le premier. À moins que je dise vraiment de grosses bêtises. Et le deuxième, c'est le petit carrousel. Alors, les plans de caméra sont beaux. Le jeu est un petit peu moins joli que d'habitude. Évidemment, puisque la piste est un peu plus lourde à charger. Rendez-vous compte, il y a 25 km de piste. Donc, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Au niveau des chronos, on va suivre l'évolution dans les différents secteurs. On est toujours du côté du meilleur secteur. Il y a des gens un petit peu partout. On va aller voir. Pas encore de pilotes complétant le deuxième secteur. Si, Anthony Yance vient de compléter le deuxième secteur en 3 minutes 06. Alors sincèrement, pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce que ça va donner. On va aller voir si on peut voir la suite des pilotes. Simon Pirard, pour l'instant deuxième. L'un des pilotes du team Spirit Martini, organisateur de cette Porsche Super Cup. On voit que c'est assez impressionnant de les voir passer. Il y a, je crois, 4 ou 5 zones de cette piste. Oh là là, Simon Pirard qui n'est pas le seul. Ah ben voilà. On est allé titiller les rails. Alors ça devient du pinball ici. Oh, il y a une voiture qui est terriblement sortie derrière. Alors les dégâts sont... Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Tout le monde est en train de sortir. Assez bizarre. Alors qu'on est en tour rapide, on vous le rappelle. Pluie de drapeau jaune dans le troisième secteur. C'est Pascal Cartier qui est allé titiller les Armco et qui va se remettre dans le bon sens. Alors est-ce que les dégâts ont été désactivés? En tout cas, ce soir, certains ont trollé concernant la safety car.
eh bien, malheureusement, la safety car n'aura pas droit d'exister ici, puisque eh bien, la piste étant trop longue, on a décidé de revoir la règle. Il n'y aura pas de safety car. On va suivre différents pilotes. Oh là, Jean-François Jacoté qui arrive, alors que devant, c'était compliqué pour certains dans la partie de carousel. Gilles Vallée du GW ici. Mathieu Leclerc, 11e. Logan Joyeux avec son skin. Alors, il y a quelques skins qui ne fonctionnent pas. J'étais assez surpris de voir ça il y a quelques minutes. Visiblement, c'est dû à une mise à jour de dernier instant. Par contre, c'est vrai que Logan Joyeux a pour moi la plus belle voiture. Alors là, qui a du jump à foison. Allez, on va essayer de voir ça en caméra embarquée. Voilà, avec Logan Joyeux qui va doubler. Voilà, notre pilote. Alors, on est en qualification, messieurs, dames. Nous sommes en qualification. Et oui, pourquoi pas seulement messieurs. Il y a des dames également qui regardent ce chat et ce live. Bien évidemment, on est en séance donc qualificative. 30 minutes pour rentrer le meilleur chrono. Et surtout pour sortir vivant de cette boucle nord. Pour l'instant, ça y est, le premier chrono vient de tomber. Anthony Yans vient de compléter le premier tour. Pierre Closset, deuxième temps, 8-31-0. Pour l'instant, Simon Pirard qui semble être bloqué par Philippe Renaud. Simon Pirard bloqué par Philippe Renaud. Attention, ils vont arriver dans le dernier enchaînement de cette Nordschleife avant de repartir. Voilà, ça y est, sur le circuit F1 maintenant. Alors, le chrono Philippe Renaud et Olivier Vignon qui fait 8.36. Alors, est-ce qu'il y a d'autres pilotes en fin de secteur ici? Il y a l'air d'avoir du monde et tout le monde va passer petit à petit pour la première fois le transpondeur. Allez, on va voir si Ludovic Ferroui peut faire un chrono. Pour l'instant, Anthony Hansen pour l'an 8.28.1. Et les temps qui vont... au fil des secondes s'ajouter les uns aux autres. Et donc pour l'instant la pole pour pas grand chose pour Anthony Yans, pardon. Et Pierre Closset, voiture numéro 25, donc on va reprendre le classement. Voilà, donc Pierre Closset deuxième, la troisième place pour Olivier Vignon de l'équipe Hot Wheels, quatrième l'autre pilote de l'équipe Hot Wheels Racing, Philippe Renaud. Jérôme Chevasson, 6e. Ludovic Ferroui, donc 7e. La 8e place pour Simon Pirard, attention. Ça n'est pas la folie non plus du côté du Team Spirit Martini Racing. Départ arrêté, bien entendu, pas de départ lancé. Et en effet, les caméras TV sont particulièrement bien choisies sur cette boucle nord. Le top 10, c'est Romain Thomas. Thierry Daven a rentré le 11e chrono. Et ensuite, eh bien, on attend les suivants. Jean-François Jacoté. Alors, il y a quelques skins qui ont vraiment du mal, je ne sais pas pourquoi. C'est absolument horrible, mais il y a des bugs, en tout cas, c'est visible également par les autres joueurs de la session. Donc on ne sait pas pourquoi certains skins ont du mal. Alors Jean-François Jacoté qui vient de rentrer le 5e chrono. Attention, il y a Mardoc qui vient de rentrer aussi à 9 minutes tout rond. Olivier Mardoc, 13e. Philippe Renaud est lui dans un nouveau tour. David Lespèce qui vient de rentrer le 7e chrono à l'instant. Les 8 minutes 43, vous voyez que c'est assez éparse dans le peloton, les écarts sont vraiment très importants. Et s'il y a de la bagarre, ça risque d'être rapidement au début de l'épreuve. 60 minutes d'épreuve ce soir, on le rappelle. Alors oui, un tour on-board sans commentaire, on va peut-être vous faire vivre un petit peu de session on-board. Allez tiens, on entre sur la boucle nord avec Jérôme Chevasson et on va vous faire vivre ça depuis le tableau de bord de la belle allemande. Montez le son. Eh bien non, finalement non, Jérôme Chevasson n'ira pas plus loin, son tour va être avorté. Alors on est à Flugplatz ici avec Logan Joyeux, 11e pour l'instant, le drapeau jaune dans le secteur 1 qu'on a vu avec donc Chevasson qui était contre les Armco. En tout cas, la question posée sur le chat, en effet, ils n'ont que 3 tours, approximativement 3 tours pour eh bien, rentrer le meilleur chrono, du moins 3 tentatives. Olivier Mardoc ici,
Anthony Hans, lui, semble avoir terminé pour l'instant. Alors on va dire qu'il leur reste jusqu'à 9 minutes pour tenter un chrono. 9 minutes 30, 10 minutes. Ouais, dans 10 minutes pour rentrer un chrono, le temps de faire la minute 30 du tour de sortie. Et de croiser le transpondeur. Donc Pierre Clessé, deuxième. Olivier Vignon, pour l'instant, troisième de cette épreuve. Quatrième, Stéphane Bossard. Un nom qu'on n'avait pas encore vu aux avant-postes depuis le début de la saison. Stéphane Bossard, donc quatrième pour l'instant. Jean-François Jacoté, cinquième. Sixième place pour Philippe Renaud. Et David Lespèce, toujours au septième rang depuis tout à l'heure. Et c'est vrai qu'on se délecte de ces caméras qui sont approximativement toujours bien placées sur la piste. C'est vraiment excellent. En tant que passionné, nous, on prend plaisir. On va rester en compagnie de David Lespèce pour vivre eh bien, le jump de Flugplatz qui n'a pas encore été raboté, effectivement, parce que maintenant, on a tué ce virage pour des raisons de sécurité. Voilà. Vous savez que depuis eh bien, l'accident de Yann Mardenborough avec la Nissan GT-R, il y a quelques années, eh bien, on a voulu tuer la Nordschleife et malheureusement, ils ont eu gain de cause, les gens qui ont plaidé pour redessiner une partie du tracé, en tout cas de certains virages. On a un petit rafraîchissement du live timing. On reste du côté de David Lespèce avec qui on va maintenant embarquer. Ah, 14 minutes 39, on est passé sous la barre de la mi-séance ici sur cette qualification de la troisième manche du championnat de Porsche Cup sur cette Nordschleife. Alors il était question à un moment donné d'uniquement utiliser le Grand Prix. Le circuit Grand Prix et non pas le circuit Endurance. Mais voilà, on a estimé que c'était quand même bien plus fun et bien plus atypique d'aller boucler quelques heures de jeu sur cette mythique Nordschleife que beaucoup de pilotes ont du mal encore aujourd'hui à gérer. Alors si vous avez des soucis de qualité, c'est simplement parce que la chaîne Twitch n'est pas une chaîne Twitch premium et que je suis condamné à streamer dans une qualité moyenne afin de satisfaire l'ensemble des connexions disponibles. C'est pour cela que je ne peux pas streamer, sinon je pouvais vous faire du HD avec un débit à 4000 bitrate, mais malheureusement vous ne pourriez pas choisir la connexion et on serait malheureusement très peu pouvoir suivre ces épreuves. En effet, les GT3 avaient été bannis pendant une certaine période sur la Nordschleife et des limitations de vitesse avaient été imposées, ce qui semble aberrant sur un circuit, mais ça a été le cas à l'époque. Alors ce secteur-ci qui personnellement, moi, me donne toujours beaucoup de fun quand je passe dans ces enchaînements, toujours avec David Lespèce. On va attendre de nouveau de voir qui améliore. En tout cas, j'ai les secteurs sous les yeux. Pierre Clossé vient de mettre un deuxième secteur dans le vert aussi. Jérôme Chevasson, lui, a stoppé. Philippe Renaud qui arrive dans le troisième secteur. Alors ça paraît assez spécial de dire dans tel ou tel secteur. Alors Pierre Clossé qui lui est dans les jumps du troisième secteur également. On va rester avec lui dans ce nouveau partiel de circuit. On a donc un premier temps qui était plutôt correct pour Pierre Clossé, deuxième pour l'instant, mais ça reste quand même 3 secondes derrière Anthony Hans, qui reste le poleman provisoire de cette séance qualificative. Et on joue à saut de mouton, et c'est vraiment, vraiment excellent à voir ces Porsche Cup qui sautillent sur la boucle nord. Avec donc ici Pierre Clossé qui va arriver dans le second carrousel. Et la grande, grande ligne droite qui va permettre au Flat 6 de respirer bien comme il faut. Et vous voyez en bas à droite les écarts. Alors, petite remarque que j'aimerais vous faire. Regardez bien ce qui se passe en haut à droite de votre écran. Alors, ce n'est pas le magnifique logo de la chaîne Max Pilote, mais bien les températures ambiantes qui n'est que de 7 degrés. Et ça pourrait, pourquoi pas, provoquer une catastrophe en piste s'il se met à pleuvoir et que les pilotes sont au fond du circuit. En tout cas, Anthony Hans vient de relancer un chrono, semble-t-il. Oui, voilà, il est dans la partie du circuit récent. Eh bien, on salue les gens qui se barrent sur le chat et qui ne savent pas faire un F5. Désolé, messieurs. Allez, Pierre Clossé, le chrono, va-t-il récupérer la pole? Et non,
Ça n'améliore pas, une seconde de moins pour Pierre Clossé. Olivier Vignon est également dans le troisième secteur, il vient de passer la butte. Il va arriver d'ici peu de temps au fond de la ligne droite F1. Ce qu'on va appeler la ligne droite du circuit F1 pour s'y retrouver. Oh, et pour Olivier Vignon, on a été proche de la correctionnelle. Les Armco n'étaient pas loin. Et Olivier Vignon qui est donc maintenant titulaire du troisième chrono, il améliore. Olivier Vignon de 2 secondes 3. Alors, Stéphane Bossard, pour l'instant quatrième, doit également être dans la grande ligne droite du retour. C'est bien, il tourne dans l'ordre, c'est formidable ça, ils nous font vraiment à la moitié du boulot. En plus, il est seul, donc on va voir qui derrière améliore, on va garder ça. Et Logan Joyeux qui vient justement de détrôner Stéphane Bossard pour le gain de la quatrième place. Logan Joyeux. Le voici avec les deux voitures aux couleurs du drapeau belge. Alors, Stéphane Bossard va-t-il aller récupérer le chrono? Emmanuel Grossin qui vient de rentrer aussi un nouveau chrono. Et Stéphane Bossard reprend la quatrième place à Logan Joyeux. Ensuite, une voiture avec un skin dans un état... malheureusement catastrophique et surtout le sixième chrono pour Jean-François Jacoté. Oh, et ça passe crème dans ce secteur là, on va arriver au bout de la Norsch Live, drapeau jaune dans le troisième secteur, il reste 9 minutes 21, ça va commencer à être tout juste, il faut être dans le troisième secteur maintenant pour espérer rentrer un chrono avant la fin de l'épreuve et ça semble terminé pour Jean-François Jacoté. Qui n'améliorera pas. Philippe Renaud 7ème. David L'Espèce qui est tombé lui au 8ème rang. Va peut-être pouvoir refaire quelque chose. Avec deux secteurs pour l'instant en gris. Donc pas forcément d'amélioration. Mais pas non plus de perte de temps. Pour David L'Espèce. Qui prend la 4ème place. David L'Espèce. Bien joué. Stéphane Bossard tombe de nouveau à la 5ème marche. Olivier Mardoc 12ème temps. À l'instant 8-51-616. Alors, Stéphane Bossard semble avoir terminé. Logan Joyeux également. Jean-François Jacoté également. Est-ce qu'on va avoir le temps? Non, c'est terminé aussi pour Philippe Renaud qui malheureusement ne pourra pas améliorer. Les deux voitures qui sont là en piste n'iront pas plus loin. Une voiture dans la grande ligne droite. Regardez cette caméra traveling qui tient sans fil. C'est absolument incroyable. Jérôme Chevasson, 9ème. Alors, on va essayer de voir si le live timing refresh pour retrouver Jérôme Chevasson. Et salut à tous les nouveaux qui viennent de nous rejoindre. Merci d'avoir choisi de passer votre mercredi soir en notre compagnie. Troisième manche de la Porsche Super Cup by FFSCA. Alors, Jérôme Chevasson, on en est où du côté des secteurs? Pas de nouvelles pour l'instant. Est-ce qu'on pourra avoir l'information quelque part? Eh non, malheureusement, il y a une erreur pour Jérôme Chevasson. Et on va rentrer au box. Ça va être terminé. Alors, est-ce qu'il y a encore des pilotes qui peuvent améliorer? Simon Pirard est en amélioration. Lui, il est dans le second secteur. Donc, pour l'instant, ça sent bon pour améliorer du côté de Simon Pirard. Les pilotes qui ont réussi à rentrer 4 tours, c'est quand même formidable. Puisqu'on compte un tour pour la piste coupée pour le lancement. Puisque les pilotes ne sont pas obligés de faire un tour complet de la boucle nord pour pouvoir lancer leur tour rapide. Ils coupent à la fin du circuit Formule 1. Alors, du côté de la tête, on va aller voir si ça améliore. Mais Anthony Hans qui remet 6 dixièmes. Ça semble terminé pour Pierre Clossé. Olivier Vignon améliore également. Attention Olivier Vignon. David L'Espèce qui met un terme à sa séance qualificative à 7 minutes. C'est trop tard pour repartir. Logan Joyeux ne pourra pas compléter son tour. C'est terminé également. Jean-François Jacoté également ne pourra pas compléter. Philippe Renaud non plus. Jérôme Chevasson lui non plus. Alors, Ludovic Furwi. Oh, Ludovic Furwi, dixième qui quand même améliore pour l'instant de 3 secondes 4. On embarque avec la voiture numéro 13 de Ludovic Furwi qui est full attaque, on le voit. Il ne laisse rien au hasard, escalade le vibreur et on salue l'arrivée de Dopamine sur le chat. Salut, merci d'être venu jeter un coup d'œil à la troisième manche de ce championnat de France FFSCA. Nous sommes du côté, vous l'avez bien sûr reconnu, de la Norsch Life avec cette Porsche Super Cup. Et il reste donc moins de 6 minutes au chrono et seuls les pilotes maintenant dans le deuxième secteur pourront compléter leur tour. Et il ne reste plus grand monde. Ludovic Furwi tombé au 13ème rang mais qui est en train d'améliorer de 2 secondes 4.
de 3 secondes 4 pardon pour l'instant. Romain Thomas aux portes du top 10, 11e pour l'instant, 8.43.367. Le dernier gros freinage pour Ludovic Ferwi, qui est suivi par une autre voiture aux couleurs de la FFSA que l'on n'a pas encore pu identifier, qui glisse proche des Armco également. On rejoint la piste moderne maintenant, et ça va le faire, attention. Et 12e place pour Ludovic Ferwi. Alors, qui reste encore en piste comme pilote à l'attaque? Eh bien, il y a évidemment Tony Hans qui vient, oh là là, de te récupérer sa belle allemande à la limite. Et sa jump, vous le voyez dans le troisième secteur, les plans de caméra sont absolument sublimes et de roue dans l'herbe. Alors, full attaque pour Anthony Hans et full attaque pour Olivier Vignon, mais il n'améliore pas assez Olivier Vignon. Il va devoir aller faire fort s'il veut passer éventuellement Olivier Vignon sous les 8 minutes 31, 9 de Pierre Clausset et rejoindre son petit camarade en pole position. Anthony Hans pour l'instant, donc titulaire du meilleur tour. Effectivement, comme on le mentionne sur le chat, il y a une petite scission entre voilà, le top 6 et le reste du peloton. Mais il ne faut pas oublier que cette piste fait près de 25 km et il va falloir les tenir. Je rappelle qu'on va partir après pour une petite mise en grille de 6 minutes, le temps de rejoindre l'emplacement de chacun des pilotes. Et ensuite, on pourra partir pour la course d'une heure qui devrait débuter aux alentours de 22h. Si tout va bien, le temps de laisser les 10 minutes de warm-up et les 6 minutes de procédure, on a pris un peu de retard. Alors, Anthony Hans, peut-être pour une dernière fois ce soir, enfoncer le clou face à ses 25 autres adversaires. Ils sont 26, on vous le rappelle ce soir, à partir à l'assaut de cette mythique Nordschleife. Bien, mais bonsoir, nous sommes sur Air Factor 2 pour ceux qui se posent la question sur le chat. La plateforme de simulation Air Factor 2 à 4 minutes exactement de la fin du temps réglementaire, le dernier tour, et Anthony Hans qui améliore et qui, je crois, cloue son nom en haut du tableau des temps avec un tour intéressant en 8 minutes 26 768. Deuxième, Pierre Clausset. Olivier Vignon est le seul à pouvoir peut-être aller faire quelque chose. Peut-être, pourquoi pas, faire un gros troisième secteur et aller récupérer la deuxième place. Oh, que c'était impressionnant ce jump d'Olivier Vignon. Ah oui, ça fait partie des technicités de cette boucle nord. La joie de voir sauter les voitures. Et oui, on dit la Nordschleife, effectivement. La boucle nord, puisque Nordschleife, c'est nord, boucle, traduit littéralement. Donc c'est bien la Nordschleife, et pas le Nordschleife. Ça dépend. C'est comme vous voulez. Anthony Hans qui provoque quelques réactions sur le chat. Moins de 3 minutes dans cette séance qualificative. Et plus beaucoup de nouveautés au niveau du live timing de notre côté. C'est devenu bien calme. On est en train de découvrir, pourquoi pas, la grille de départ avec une première ligne. Donc Anthony Hans, Pierre Clausset. Pierre Clausset, on le rappelle, leader de ce championnat de Porsche Super Cup. Anthony Hans qui avait... Eh bien, pourquoi pas un podium en main lors de la première manche de Silverstone, d'Interlagos, pardon. Et il l'avait malheureusement perdu avec un retardataire qui était bien venu croiser son chemin à la relance après un safety car. Safety car, on vous le rappelle, qui ne sera pas présent ce soir pour des simples raisons d'organisation. Si accident il y a, eh bien, advienne que pourra pour les pilotes derrière. Et oui, le circuit de la Nordschleife, effectivement. Et Olivier Vignon qui améliore, mais qui restera scotché à son troisième rang. À moins de 2 minutes maintenant, tout le monde rentre. Et il ne reste plus grand monde dans le troisième secteur. Alors, qui pourrait encore en 2 minutes venir chercher un chrono? Est-ce que Philippe Renaud pourrait réaccéder au top 10? Oh non, malheureusement, il va lui manquer un petit peu, je pense, à Philippe Renaud. On va rester avec lui, le pilote du team Hot Wheels Racing. Ça semble être difficile pour Philippe Renaud d'aller croiser le transpondeur dans le temps imparti. On va voir. Et Simon Pirard qui vient de rentrer pour 3 petits dixièmes derrière Stéphane Bossard, le 6e temps. Et on rappelle que donc les conditions pour l'instant sont sèches, mais il y a 60% de chance de pluie
pour la course, donc ça risque pourquoi pas de tomber quelques gouttes. Et si les pilotes sont coincés en pneus slick à l'autre bout de cette boucle nord, il risque justement d'y avoir des soucis. Alors normalement il devrait y avoir... Oh, attention Philippe Renaud qui est allé titiller du bout des rétroviseurs l'extérieur du deuxième carrousel. Et il va maintenant voilà, s'élancer dans la grande ligne droite, mais avec 44 secondes au compteur, ça semble difficile d'aller croiser le transpondeur. Sincèrement, ça va être difficile. Ça va être difficile de passer face au chrono pour le pilote qui est pourtant en train d'améliorer. Il a déjà mis 2 secondes de mieux. Il est 11e. Pour l'instant, si je regarde le classement de Philippe Renaud de mon côté, il est en 8.40. Et s'il met 2 secondes, il pourrait éventuellement aller chercher Jean-François Jacoté. Pourquoi pas? Il pourrait le faire. Allez, à fond de 6 avec le flat 6. Oh là là, ça va malheureusement être trop court. C'est dommage pour Philippe Renaud. Allez. Allez, le dernier tour. Il peut compléter son tour. La séance n'est pas terminée, je pense. Ils ont leur last lap, ça c'est bien. Je pensais que ça avait été retiré par la réglementation et par la direction de course pour cette manche. Mais non, ils vont bien terminer leur tour. Et c'est amélioré, Philippe Renaud rentre dans le top 10. La séance est terminée pour le pilote du Hot Wheels Racing qui rentre donc le 9e chrono. Alors Jean-François Jacoté lui est également encore en piste. Il améliore de 4 secondes. Attention Jean-François Jacoté qui pourrait créer la surprise avec 4 secondes de mieux. Malgré le skin, vous le voyez, qui n'est pas tout à fait aux normes. Pascal Cartier vient de rentrer un très joli chrono, le plaçant dans le top 20. Et pour l'instant, la déception s'appelle Cyril Renaud, 20e. Il faut qu'il réagisse. Du côté du live timing, pas d'information. On va aller jeter un coup d'œil peut-être après du côté de ceux qui restent encore en temps à compléter comme pilote en piste. Allez, la relance pour la dernière fois aujourd'hui. Va-t-on avoir Jean-François Jacoté plus haut dans le classement? Ça semble bien parti avec déjà 3 secondes 8 au passage du deuxième secteur. Et quatrième temps pour Jean-François Jacoté qui boot Stéphane Bossard hors du top 5. Bien joué. David Lespèce, 5e, pourrait peut-être améliorer avec 1 seconde 6 de mieux. Il y a encore des pilotes dans le troisième secteur pour l'instant. Il y a encore Philippe Renaud, je crois, voiture qui est 10e en train de passer. Voilà, Logan Joyeux, pardon, qui est en train, lui, de continuer de progresser. Alors là, puissance des portes, je pense qu'on est à 470 chevaux, si je ne dis pas de bêtises. Et le chrono, et la 8e place pour Logan Joyeux qui prend donc la place de Thomas Laforge avec ce secteur amélioré. Alors, on termine également du côté de Ludovic Ferru. Allez, un top 10 peut-être pour le pilote de la numéro 13. Et non, malheureusement, il échoue aux portes de ce top 10 avec la 11e place pour l'instant. Oh, et bien voilà, Jérôme Chevasson pour lui, c'est terminé. Il manque eh bien un capot moteur et un pare-choc. Qui reste-t-il en piste? Thierry Daven, qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre pour l'instant sur cette boucle nord. Il est au kilomètre 19. Vous avez vu le petit panneau sur la droite de la piste. Il lui reste donc quelques boucles à faire et ça en sera terminé. Il y a encore d'autres pilotes qui sont devant lui. Alors, on va aller voir si ce sont des pilotes qui sont devant ou derrière au classement. Il y a Florian Bayon. Florian Bayon, qu'on n'a pas encore vu. Et on salue nos amis étrangers. Hi Whiskey Cobra, welcome. This is a French championship from the French League FFSCA. Porsche Supercup on the Nordschleife. 1 hour race
after this half hour qualification. Thanks for following the stream live tonight. Allez, la 18e place et la 17e finalement pour Florent Bayon. Alors, Mathieu Leclerc, 22e, qui était en train d'améliorer, mais ce n'est pas le seul. Voilà, Thierry Daven, qui était 16e. On l'avait retrouvé, il est à la sortie de la boucle nord et lui va rentrer. Donc, il va malheureusement abdiquer. C'est dommage qu'il rentre parce qu'il était en belle amélioration, Thierry Daven. Donc, peut-être un souci ou un manque de carburant. Ça semble bientôt être terminé. Mathieu Leclerc, 22e. Bah, écoutez, je pense que tout le monde a enfin pu faire quelque chose de cette séance qualificative. David Lespèce, lui, est dans son tour de rentrée. Allez, Olivier Vignon, lui, est dans son deuxième secteur. Vous avez dit que, ben voilà, il fallait passer le transpondeur, effectivement, dans les temps nécessaires. Mais voilà, ils peuvent compléter leur tour. Olivier Vignon, qui pour l'instant est quatrième. Alors, il est pas en mesure, peut-être, d'améliorer face à Pierre Clossé, qui a donc été bouté de la première ligne par David Lespèce. David Lespèce, donc, que l'on voit ici, le pilote de la Blue Sky qui a donc pris une belle première ligne ce soir. On va retrouver, si, eh bien, à moins que Olivier Vignon nous sorte un troisième secteur démentiel, on va une fois de plus retrouver Anthony Hans sur l'interview du Poleman dans quelques instants, une fois que, eh bien, Olivier Vignon aura terminé sa séance. Et le beau chrono de David Lespèce qui vient donc se mettre devant Pierre Clossé, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, ultime secteur pour Olivier Vignon, la grande ligne droite en caméra embarquée, alors que Pascal Cartier, pour le coup, prend la 18e place. Et Thomas Pinotto qui vient de rentrer le 11e chrono. Et Gilles Châtelain le 22e. Alors, les pilotes n'utilisent pas de pseudonyme, c'est leur vrai nom. En effet, ce sont les vrais noms des pilotes, effectivement. En gros, le dernier tour dure aussi longtemps que la qualif. Effectivement, la qualif dure 30 minutes et le dernier tour en dure 8 pour les meilleurs et 9 pour les moins bons. Allez, la dernière accélération pour la voiture d'Olivier Vignon. Pour l'instant, quatrième qui était en train d'améliorer. Et malheureusement, le 31 étant passé, ça ne sera pas suffisant. Il améliore son chrono, mais pas plus. Je pense qu'il ne reste plus grand monde. Il reste Thomas Laforge qui va lui rentrer également. Et bien voilà, je pense qu'il n'y a plus personne sur cette Nordschleife. Seuls les pilotes en sortie de piste sont encore là. Et Olivier Vignon qui vient de terminer son chrono. Donc c'est terminé. Donc la séance qualificative vient de se terminer ici. On va donc d'ici quelques instants pouvoir suivre l'interview du Poleman que l'on va aller recruter d'ici quelques instants. Un petit peu de patience s'il vous plaît. Allez, on va retrouver le pilote du Williams Martini Racing qui ne doit pas être très très loin. Voilà, on se retrouve normalement avec Anthony Hans. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Alors, bonsoir. On va finir par te laisser une chaise dans cette cabine parce qu'on te retrouve chaque semaine. Personnellement, non, on n'a rien contre, mais c'est drôle. Bien voilà, une pole position acquise avec un tour en moins de 8 minutes 30 sur cette boucle nord. Alors, qu'est-ce que ça fait de participer à une séance où il n'y a finalement que 3 tentatives ou 4 pour les meilleurs sur un circuit long de plus de 20 km? Comment on gère une séance de qualification comme ça? Bah, c'est compliqué parce qu'effectivement, il n'y a que 2 ou 3 tentatives. Donc, bah pour ma part, voilà, j'essaye toujours dans ces cas-là de faire un premier chrono sans trop attaquer pour essayer de, bah voilà, de consolider une place pas trop loin. Bon, ici, le premier tour était très bon déjà, donc voilà, j'ai pas à me plaindre. Et puis le deuxième, bah voilà, on peut se permettre d'essayer d'aller chercher quelques dixièmes à gauche à droite. Et voilà, donc bon, ici le premier chrono, comme j'ai dit, était très bon. J'ai une voiture vraiment super bien réglée, donc bah c'est tout.
dans mon honneur, quoi. Ouais, bah écoute, on a hâte de voir. Donc une heure de course sur la boucle d'or. Est-ce que un circuit, bon, je vais répéter un petit peu la même question, mais est-ce que voilà un circuit long comme ça au niveau de la concentration, de la répétition, c'est un petit peu plus compliqué à gérer que, je ne sais pas, une course sur Barcelone ou comme Interlagos, comme on a pu la voir précédemment dans le championnat. Est-ce que ça change vraiment quelque chose, voilà, ta procédure de course? Ouais, bah c'est sûr que c'est pas du tout la même approche. Ici, c'est vraiment mis à part le GP où bon, on peut faire une erreur sans trop de dégâts. Une fois qu'on est dans la North Life, si on fait une erreur, c'est quasiment certain que ça se finira très mal. Donc, bah, il faut, je pense, une petite réserve. En plus, c'est très difficile de dépasser. Donc, ouais, je pense une petite réserve et surtout aborder la boucle nord en tête, ouais, c'est ce qui est très important parce que sinon on va perdre un tour bêtement. Alors, on a vu dans les conditions de course, enfin, en tout cas pour la qualification, que certes la piste est à presque 30 degrés, par contre, eh bien, il ne fait que 7 degrés dans l'air et ensoleillé. Est-ce que, il pourrait y avoir une petite pluie qui vienne animer tout ça ce soir pour toi? Bah, d'après les météorologues, normalement il n'y aura rien du tout. Maintenant, bon, la météo, on sait toujours ce que c'est. Des fois, on nous annonce un beau grand soleil, et puis bah, c'est l'hécatombe, donc Donc tout ça risque. réserve. Mais bon, s'il commence à pleuvoir, ça risque d'être délicat parce que si on est en plein milieu de la boucle, bah, il va falloir faire les 20 km. Voilà, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'un tour sous la pluie pourrait être catastrophique ou est-ce que tu penses que c'est gérable avec des pneus slick malgré tout? Bah, ça va être gérable, mais ça va dépendre d'un gros paramètre. Ça va être surtout de l'intensité de la pluie, quoi. Si on a quelque chose, une pluie fine, bon, bah, on va avoir le temps de rentrer tranquillement, on va dire, en gardant un très bon rythme. Si c'est une pluie torrentielle qui s'abat sur le circuit, bon, bah, au milieu du circuit, on sera à l'arrêt, quoi. Sinon, c'est roulable avec des pneus slicks sous la pluie, c'est D'accord, véritablement roulable. il est parfois bon de le rappeler. Ce sont des questions parfois un peu basiques, mais pour le grand public ou les gens qui découvrent parfois ce genre d'événement, c'est toujours bon à réexpliquer. Une dernière question, en fait, je voulais aborder le côté mécanique. On voit que les voitures passent leur temps à bondir, à sauter et à passer de but en but sur cette boucle nord. Est-ce que, voilà, mécaniquement, est-ce qu'une voiture peut tenir le coup? Est-ce que les pneus slick, surtout à force d'être assez violentés, peuvent tenir? Ou en gros, la stratégie, c'est quoi? Balance-nous un petit peu ta stratégie si on peut avoir quelques idées de ce qui peut se passer ce soir. Bah, mécaniquement, normalement, il n'y a pas trop de problème. Bon, après, faut pas se faire piéger, on va dire. Mais ouais, les pneus, ils prennent assez cher quand même, ça c'est sûr. Je pense qu'ils feront la durée, mais il va falloir quand même prendre soin des pneus. Parce que ouais, ça va pas être négligeable. On va vraiment finir pas loin de la corde. Très bien. Et Donc, puis, si les pneus sont au bout sur la boucle nord avec la fatigue, ça risque de nous montrer peut-être quelques petites approximations chez certains. ouais, tout à fait, ouais, ça risque d'être un peu olé-olé. Très bien. Et alors, une toute dernière question qui a été posée par le chat. Est-ce que tu peux nous dire dans la dernière ligne droite de retour à combien tu es en VMAX? 273, 273. Ah oui, Voilà, parfait. Attention. dans la descente, vraiment, Ruptor 273. Très bien, bah ça va. Bah merci pour cette petite info qui éclairera un petit peu le chat. On va te laisser rejoindre évidemment le warm-up qui est en cours. Bon, difficile de faire un tour dans le temps imparti, mais c'est toujours du temps de roulage pour se refaire à la voiture. Merci Anthony, on te souhaite bonne chance à toi et à tous tes petits camarades pour eh bien cette course sur la Nordschleife. Merci. Merci, bonne diffusion. Merci. Allez, on a Anthony qui nous a quittés. Nous, on se retrouve d'ici quelques secondes pour vivre le warm-up. À tout de suite.
Allez, on se retrouve pour vivre les dernières minutes de ce warm-up. Nous sommes en direct pour vivre la troisième manche du championnat de Porsche Super Cup qui se déroule sur la Nordschleife, championnat organisé par la Ligue FFSCA, la Ligue francophone. Avec, donc, vous l'avez entendu il y a quelques minutes, hein, eh bien, Anthony Hans plutôt satisfait de sa séance qualificative qui ne lui avait laissé, comme à ses petits camarades, que très peu d'occasions de se montrer. On est en train de tester une dernière fois les voitures avec le plein. Et on vous disait, voilà, plus de 270 km/h au bout de cette descente dans la ligne droite. Alors qu'il y a un débat qui est en train de tourner autour d'Audi sur le chat, c'est assez drôle à suivre. En tout cas, pour l'instant, l'action en piste n'est pas la plus intéressante de la soirée, effectivement, puisque, eh bien, pour l'instant, on tourne pour, eh bien, pour du vent, serait-on tenté de dire, si ce n'est eh bien, le plaisir des yeux et surtout des oreilles, avec Logan Joyeux, 6e. Gros freeze. Ah, ce freeze là il était magnifique. Alors attention qu'on ne commence pas à avoir des freezes, parce que j'ai commencé à avoir des petites suées moi avec cette histoire de freeze. Normalement pas de problème. Alors on va essayer de vous trouver le plan peut-être de quelqu'un qui est sur la... Alors qu'on voit à droite passer, ça c'est très drôle. L'attraction, le grand 8 qui est en train de passer à droite, c'est assez drôle, tiens. Dans la ligne droite des stands, le manège du parc d'attractions de la Nordschleife. C'est assez drôle de le voir là. Alors, Olivier Vignon, 3e. Ça ne bouge pas. Donc en effet, voilà, c'est pas la plus grosse séance hein, qu'on va vous faire vivre ce soir, effectivement. Allez, on va essayer de voir le secteur de Flugsplatz avec David L'Espèce. Alors, on le rappelle pour ceux qui n'étaient pas pour l'instant présents tout à l'heure, il y aura bien ce soir une heure de compétition sur la Nordschleife, mais attention, pas de safety car au programme, puisque s'il y a bien mésentente entre les pilotes, ce sera réglé sans intervention de la voiture de sécurité. Quel plan magnifique. Franchement, cette Nordschleife est superbe à voir dérouler sous nos yeux. Vraiment sublime. Et bonjour aux derniers arrivants sur le direct. Merci d'avoir choisi de nous rejoindre pour vivre ce soir la troisième manche du championnat de France FFSCA Porsche Super Cup. Alors on est pour l'instant dans la phase de warm-up, ce qui explique eh bien, le calme qu'il règne actuellement et sur la piste et sur ce live. On est en train de préparer une dernière fois les voitures au comportement qu'elles auront au départ, c'est-à-dire avec le plein. Anthony Hans, qui on vous le rappelle, a signé la pole en 8 minutes 29 comparé à ses adversaires qui étaient au-delà des 8 minutes 30, nous a confié tout à l'heure que ça allait être à la limite pour tenir le coup sur l'heure de compétition et qu'il ne devrait pas pleuvoir. Mais bon, restons toujours prudents, les conditions météo ne sont pas toujours celles promises par les météorologues. Et on continue avec David L'Espèce, eh bien, à découvrir cette boucle nord. Ouais, ça se passe bien. Un joli tour qui n'est pas un tour full attaque, mais qui est un joli tour tout de même. Ça
attaque pour tout le monde. Enfin, c'est calme, pardon, pour tout le monde. Ça n'attaque pas beaucoup. Navré. Alors, Emmanuel Grossin qui a sans doute changé de skin. Ça ne sort pas pour certains pilotes. On a vu Anthony Yanns rester au box. Alors, David Brochstein, qu'on n'a pas encore vu. Oh, et là, ça a dû être oui, à la limite du gravier. Allez, il nous reste un peu moins d'une minute trente dans cette partie-ci avant la mise en grille. La mise en grille, il y aura donc 6 minutes 30 pour effectuer la mise en grille des voitures. Et ensuite, on partira pour une heure de compétition sur cette boucle nord avec 26 voitures au départ. Comme on vous le disait, la pole position a été réalisée en une seule reprise par Anthony Yanns en 8 minutes 29. Et ça glisse bien pour David Lespèce qui teste une dernière fois les limites du grip de la piste et de sa voiture dans le troisième secteur. Allez, 15 secondes et on va partir pour vivre la mise en grille qui va durer 6 minutes 30. A tout de suite. Et nous allons assister à la mise en grille. Ça y est, dans 6 minutes 30, le départ de cette épreuve. Et vous voyez donc l'ensemble des voitures prêtes à rejoindre les pits une fois que le feu passe au vert. Vous voyez qu'il y a quelques skins qui ont du mal d'être chargés. On va donc partir, on vous l'a dit, pour... Ah, et merci à la 2F2F Team qui a rajouté le logo de la chaîne de Maxoul Pilote sur son skin. Merci pour l'attention, les amis, ça fait plaisir. Alors, on va repartir, comme on vous le disait, pour moins de 6 minutes de mise en grille. Les pilotes vont rejoindre l'emplacement qu'ils ont gagné grâce à la séance qualificative. Et ainsi, nous pourrons partir pour, je l'espère, un tour de formation qui eh bien, devrait comporter uniquement... le tour F1
le circuit F1, pas un tour de formation qui durait le temps de la Nordschleife, sinon dans 20 minutes on est encore là. J'espère que ça se passera bien. Vous voyez donc l'ensemble des pilotes quitter les box. Ce n'est pas encore sorti pour Anthony Jans. David Lespèce, lui, est déjà sorti. Pierre Clossé, 3e. 4e, Olivier Vignon. 5e, Jean-François Jacoté. Stéphane Bossard, lui, 6e. Simon Pirard, 7e. Logan Joyeux, 8e. Thomas Laforge, 9e. Philippe Renaud, 10e. Ludovic Ferwi, 11e. Thomas Pinotto, 12e. 13e place pour Romain Thomas. Jérôme Chevasson partira 14e. Devant Arnaud Batti, 15e. Thierry Daven suivra 16e. Florian Bayon, 17e. 18e. Olivier Martoc qui stoppe à même la sortie des box. Et ce magnifique logo Maxou du pilote. On croirait que c'est de la publicité placée. Mais pas du tout. La 19e place pour Pascal Gartier. Et ça y est, Anthony Jans, vous le voyez à l'instant dans la caméra qui nous relaie ce qui se passe dans les box, est également en train de rejoindre la piste. Alors, Cyril Renault. Ah tiens, Cyril Renault avec un autre skin pour la deuxième équipe Spirit Martini. Intéressant. Les soucis de skin, malheureusement, pour Emmanuel Grossin, 22e Mathieu Leclerc et Gilles Châtelain, 3e, 24e. Oh, et Tom Revox, 25e, qui se cherche un petit peu. Alors, normalement, tout le monde passera par la pit lane pour la mise en grille. C'est ça qui est bon, vous voyez ce qui se passe. Donc on coupe la piste de la Nordschleife et on vient se remettre en grille en prenant l'ouverture laissée par la pit lane. Et on va donc partir pour le tour de formation d'ici moins de 3 minutes 30. Une fois que l'ensemble des pilotes seront placés sur la grille de départ. Nous étions donc avec David Brochstein, Tom Revox 25e, Xavier Evrard est là, Gilles Châtelain vient se placer. Et tout le monde rejoint tout doucement son box. Anthony Jans, lui, fait partie des derniers à avoir quitté la pit lane. On va voir si la grille prend forme. Alors, ça ne sera pas la meilleure caméra. Malheureusement, pour vivre le départ, on ne pourra pas voir le plan directement sur l'ensemble de la grille. Anthony Jans qui progresse maintenant dans le troisième secteur. C'est le seul pilote qui manque en ce qui concerne les trois premières lignes. Une autre voiture qui vient. Alors, tiens, Simon Pirard a stoppé à l'entrée du deuxième secteur. Ah, il y aurait peut-être une relance. Eh bien, bien sûr. La petite relance qui va bien. Certainement un souci. Allez, on se retrouve tout de suite pour vivre la bonne, on l'espère, mise en grille de ce soir. À tout de suite.
De retour, merci pour votre patience pour vivre le départ de la troisième manche du championnat. Et la grille de départ qui est tout doucement en train de se former. Voilà, avec un petit peu plus de gestion interne, donc visiblement il y avait un petit décalage, mais ça devrait aller. Dans moins d'une minute trente maintenant, on devrait prendre le départ du tour de formation. À bord avec Anthony Yance. Alors qui doit encore venir se placer sur la grille? Et bien voilà, Simon Pirard. Voilà, et le silence de cathédrale, hein, comme on a l'habitude de le mentionner. Allez, la procédure qui va bientôt débuter. Il ne manque plus grand monde. On va pouvoir partir pour le tour de formation. Voilà, il reste moins de 45 secondes maintenant avant de partir donc à l'assaut de cette Nordschleife pour une heure de compétition. Allez, moins de 30 secondes. Alors, normalement, cette course-ci pourrait être disponible dès ce samedi ou dimanche. Concernant la GTE, ça devra encore être travaillé car il manque une demi-diffusion. Pour ceux qui se posent la question sur le chat, merci d'avoir choisi de passer votre mercredi soir en notre compagnie. On va vivre ce soir une belle compétition de sim racing et c'est parti. C'est parti pour le tour de formation avec donc le classement que l'on va maintenant vous proposer. Les pilotes qui évoluent tout doucement, voilà, vers la partie Formule 1. Le poleman du jour, donc en moins de 8 minutes 30. Et donc Anthony Yance, de nouveau. Deuxième, David Lespèce. Troisième place pour Pierre Clossé. Quatrième, Olivier Vignon. Cinquième, Jean-François Jacoté. Sixième place pour Stéphane Bossard. Pardon. Simon Pirard, septième. La huitième place pour Logan Joyeux. La 9e position pour Thomas Laforge. La 10e pour Philippe Renaud. On sort du top 10 pour retrouver Ludovic Ferwi en 11e place. Thomas Pinotto occupera le 12e rang. La 13e place de Romain Thomas. Juste derrière lui, Jérôme Chevasson. Ensuite, pour compléter le top 15, Arnaud Batty. 16e, Thierry Daven. 17e, Florian Bayon. Et Pascal Cartier, 18e, ne sera pas sur la grille de départ, n'ayant pas quitté les stands dans le délai imparti. Eh bien, il partira donc depuis les box. La 19e place sera, quant à elle, pardon, occupée par Cyril Renaud, qu'on espérait peut-être un peu plus haut dans la hiérarchie ou à l'issue des qualifications. Emmanuel Grossin partira, lui, 20e. 21e place pour Mathieu Leclerc. 22e place pour Gilles Châtelain. La 23e pour Evrard, Tom Revox sera 24e et David Brochstein 25e. De retour sur la tête alors que le tour de formation se poursuit avec donc Anthony Yance de nouveau irréprochable en pole position.
Alors pour ceux qui se posent la question, le tour de formation ne passera pas par la Nordschleife. Restez avec nous. Bien entendu, on va couper par eh bien, la section qui différencie le circuit Grand Prix du circuit Nordschleife, VLN, appelez-le comme vous voulez, la boucle Nord. Et voilà, les pilotes vont donc revenir à récupérer leur emplacement sur la grille de départ avec le poleman Anthony Yates, tout phare allumé. On fait une dernière fois monter les gommes en température avec les 7 degrés ambiants. Ça risque de prendre du temps à chauffer. En tout cas, on est motivé. Et voilà, on est sur le bon emplacement pour Anthony Yates et pour ses petits camarades. Ça se place bien pour tout le monde. On rappelle que le pilote 18e Pascal Cartier partira des boxes. Et bien voilà, la dernière ligne est maintenant formée. Allez, on va partir, voilà, d'ici 4 secondes maintenant. C'est parti, les feux rouges s'éteignent, on roule sur le Nürburgring avec un bon départ de David Lespès qui prend donc l'avantage sur Anthony Yates. Attention au premier passage du S, du bout de la ligne droite, le freinage va être très tendu. Oh, et la voiture 69 à l'intérieur, est-ce qu'Olivier Vignon va pouvoir tenter quelque chose? Non. Et Anthony Yates qui récupère la tête. Derrière, ça semble passer pour tout le monde. Et ça va être un petit miracle. Attention, contact entre trois voitures. On est à trois de front ici. Il ne va pas y avoir de la place pour tout le monde. On se bat pour la 10, 11 et 12e place. Il y a Philippe Renaud à l'extérieur. Un drapeau vert pour l'instant. Et ça se passe bien devant. Tout le monde s'en sort. Yates est en tête derrière. Eh bien, on cherche un petit peu à s'en sortir dans la descente. C'est pour l'instant très serré. Thomas Laforge, 11e, qui va faire les freins. Au freinage de l'épingle, on a vu une voiture du team Spirit Martini Racing en difficulté devant. C'était Simon Pirard. Simon Pirard qui a pris un bon départ. Il est 6e pour l'instant. Et Olivier Vignon qui lui était déjà à la dérive. On conclut le deuxième secteur du circuit Formule 1. Vous voyez les pistes qui sont toujours différentes. Et ici, ça risque de nouveau de nous poser pas mal d'action. Allez, Thomas Laforge pour l'instant 10e. Poursuivi par Romain Thomas. Ça se suit pour l'instant proprement à la queue leu-leu. Et Tom Revox 19e qui va peut-être tenter le dépassement. On vit ça depuis la caméra embarquée de Mathieu Leclerc. Lui 20e, on cherche l'aspiration déjà. Et on cherche à gagner des positions. On va rester voilà, sur ce petit peloton à la lutte. Et Mathieu Leclerc, oh, qui va devoir freiner. Attention, on freine à l'intérieur. On prend bien évidemment la chicane endurance et non la chicane Grand Prix. Et donc, on est déjà parti dans la boucle Nord. On rappelle le classement. Yates en tête, l'espèce deuxième, Vignon troisième, Closset quatrième. Mais derrière, on est allé très large pour Logan Joyeux qui est allé mettre deux roues de son train droit dans les bas-côtés de cette Nordschleife. La fin du peloton reste très très serrée. Anthony Yates qui passe les S au commandement de cette épreuve. Ça glisse beaucoup pour tout le monde. Et on va vous l'avouer, le départ pour l'instant est très sage. Yates en tête, on vous l'a dit. On va vivre ensemble les passages très musclés de Fuchsplatz. Drapeau jaune dans le premier secteur, que s'est-il passé? Est-ce qu'on est allé titiller les Armco pour un pilote? Je n'ai pas vu. Et ça va passer. Voilà, ça jump pour tout le monde. Jean-François Jacoté maintenant. Stéphane Bossard. Logan Joyeux. Thomas Laforge. Ludovic Ferwi. Chevasson. Pirard. Renaud. Thomas. Pinotto. Batty. Daven. Bayon. Grossin. Leclerc. Et Revox. Qui sont toujours à la lutte. Revox qui ne veut pas lâcher. Thomas. Romain Thomas. Est à la bagarre avec Pinotto. On l'a vu juste devant. Mais ici, on est un petit peu plus loin pour le gain de la 19e place avec donc Emmanuel Grossin qui résiste ainsi que Mathieu Leclerc, voilà, avec qui on passe maintenant en caméra embarquée. C'est très très serré ce qui se passe ici. Pour l'instant, devant il y a une bagarre avec Olivier Vignon qui se porte déjà bien en avance alors que Jean-François Jacoté est lui décroché de Pierre Closset qui peut pour l'instant récupérer le podium. On entame la suite DS. On part sur le secteur un peu plus technique de cette Nordschleife, le deuxième un peu plus sinueux.
et vous êtes quasiment 100 à avoir choisi de nous rejoindre. Merci pour vivre le départ de cette manche. Drapeau jaune dans le deuxième secteur, ça perd le grip à la limite là. Avec Simon Pirard maintenant qui est allé mettre deux roues dans l'herbe, c'est pas le seul. Désolé, on enchaîne un petit peu les caméras. Oh, il y avait un pare-choc là sur la partie droite de la piste, il y avait un pare-choc jaune. En tout cas, derrière, ça ne bouge pas. Allez, Jean-François Jacoté qui passe maintenant. Stéphane Bossard. Et vous voyez que c'est serré avec Thomas Laforge à la poursuite pour la 7ème place de Logan Joyeux. Et toujours ce drapeau jaune dans le deuxième secteur. On va essayer de se renseigner. Et Philippe Renaud qui perd une position. Serait-il la victime de ce drapeau jaune? Logan Joyeux, 7ème. Ça, c'est pas bien. Oui, Philippe Renaud qui doit avoir un gros problème. C'est lui qui doit être en difficulté. Ah, et Philippe Renaud qui doit être stoppé. Ah, bah voilà. On est allé. Ah, bah il est passé au-dessus de la rambarde, Philippe Renaud. Ça, c'est dommage. Ah, et Jérôme Chevasson à qui il manque le capot moteur. Gilles Châtelain est également décroché comme Xavier Évrard. Yann sans tête. Donc, on retrouve le commandement de l'épreuve. On rappelle, une heure de compétition sur la boucle nord. Il devrait faire sec pendant 7 heures de lutte. Vous voyez donc le classement. Yann sans tête, l'espèce deuxième, Vignon troisième, Closset est quatrième, Jacoté décroché à la cinquième place. Et ensuite, eh bien, c'est très serré pour la 6, 7 et 8ème place avec notamment Thomas Laforge qui se fait poursuivre par voilà Ludovic Ferruy. Après Mathieu Leclerc gagne la 16ème place maintenant. Profite un petit peu du bloc flat 6, alors qu'on va bientôt arriver pour les leaders dans le secteur du premier carrousel, et c'est déjà le cas. Voilà pour Anthony Jans qui plonge, il n'y a pas d'autre mot, dans le carrousel. Oh, le petit survirage pour Olivier Vignon qui perd la troisième place et qui va aller titiller les Armco. Il cède cette troisième place à Pierre Closset qui, sans effort, a pu récupérer une position. C'était également difficile pour Simon Pirard. Romain Thomas, 11ème. Arnaud Batty qui suit. Thierry Daven également. Alors que pour Florian Bayon, c'est le tête à queue. Attention, et le crash pour Florian Bayon. Messieurs, il va falloir passer à l'extérieur de ce carrousel cette fois-ci parce qu'il y a une voiture à la dérive. Il ne peut pas avancer. Il est obligé. Oh là là, on le voit, la dernière limite pour certains. C'était Thomas Pinotto. Et Florian Bayon qui peut repartir, mais Tom Revox risque de lui chipper de nouveau la place. Un autre pilote est en tête à queue, c'est Mathieu Leclerc. Attention, Mathieu Leclerc qui met la marche arrière alors que passait Gilles Châtelain. Et l'abandon pour Philippe Renaud, c'était malheureusement attendu. Allez, Olivier Vignon, 4ème. Jean-François Jacoté qui s'est rapproché, 5ème suite au petit tête à queue de Vignon qui a perdu sa position. Et la grosse dérive derrière de Simon Pirard qui pour l'instant fait le spectacle alors qu'il est en 9ème position. On revient en tête avec le leader Simon Pirard. Très belle caméra ici qui nous fait vivre tout ce qui se passe, tous les sauts. Olivier Vignon, Jean-François Jacoté, Stéphane Bossard, Thomas Laforge, Ludovic Ferruy, Simon Pirard et Romain Thomas 10ème qui est déjà bien loin, hein, lui, malheureusement. Logan Joyeux 11ème, Arnaud Batty 12ème, 13ème Thierry Daven, 14ème Cyril Renaud, Emmanuel Grossin, et ici la voiture blanche à la limite, c'est Pascal Cartier, 16ème. Oh là là, Xavier Évrard, lui, il lui manque un pare-choc, tout comme Thomas Pinotto. Oh, et Thomas Pinotto qui va même aller visiter, attention, la partie en herbe de cette piste. Pour les leaders, on revient sur la tête de course alors qu'il va déjà y avoir quasiment 10 minutes de compétition entamée. Anthony Jans au commandement donc, avec quelques secondes d'avance. On va vous montrer les écarts, 2 secondes 2. Sur David L'Espèce, Pierre Closset à 5 secondes. Olivier Vignon a pris son gros moment de frayeur dans le carrousel. Se retrouve 4ème. Jean-François Jacoté 5ème. 6ème Bossard, Laforge 7ème. Ferruy derrière. Et c'est à l'aspiration. Voilà, c'est ce qu'on cherchait comme caméra.
Romain Thomas face à Logan Joyeux pour le top 10. Yanns qui complète le premier tour à l'instant. Voilà, ces deux-là ne vont pas se lâcher. Alors, est-ce que Romain Thomas peut aller chercher le top 10? C'est pas le seul. Il y a la lutte également avec Thierry Daven et Romain Thomas. Et Arnaud Batty, pardon. Alors, est-ce que Romain Thomas pourrait faire les freins à l'épingle du bout de la ligne droite? Ce serait assez intéressant alors qu'il y a un drapeau jaune dans le troisième secteur. On reste attentif à tout cela malgré tout. Allez, on va déboîter. Et on va en prendre pour son compte la 42 qui dépasse. Peut-être, c'est pas fait. Ça y est, là malheureusement, il est obligé d'abdiquer Logan Joyeux. Alors que derrière, eh bien, il y a deux pilotes à l'explication. Pascal Cartier peut-être et Thierry Daven, voilà. Oh, les deux pilotes, vous le voyez sur cette caméra d'ensemble, qui sont en train de se titiller. Emmanuel Grossin et Pascal Cartier. Oh, et là, on ne se bat uniquement pour la 14e place, mais on y va déjà de bon cœur. Et derrière, plus de bagarre. Les pilotes blessés au terme de ce premier tour. Florian Bayon qui stoppe Thomas Pinotto, Gilles Châtelain, Jérôme Chevasson, Tom Revox et l'abandon de Philippe Renaud. Et on a déjà terminé le tour du circuit F1 pour Anthony Yanns, alors que derrière, eh bien, la lutte se resserre pour la deuxième marche du podium. On a Pierre Closset qui part à l'assaut de David L'Espèce pour la deuxième place. Les deux pilotes sont très serrés. Deux secondes derrière, ce qui n'est pas énorme. Il y a Olivier Vignon qui va percuter le mur. Est-ce qu'il a perdu son pare-choc? Je ne pense pas. C'est pas la première fois qu'Olivier Vignon va titiller les limites de cette piste. On va rester en tête quand même parce que là, la lutte est belle. Allez, avec Pierre Closset pour la troisième place. Anthony Yanns est pris d'une poussée d'aile dans ce deuxième tour. Et on vit ensemble la lutte depuis le tableau de bord de Pierre Closset. En caméra embarquée, montez le son. Vous allez laisser vivre un moment de cette boucle d'or en compagnie de Pierre Closset à la chasse de David L'Espèce pour la deuxième place. On fait un point rapide sur le classement de cette troisième épreuve de la saison en cours depuis maintenant un peu moins d'un quart d'heure. Anthony Yanns au commandement, donc avec une belle avance maintenant de 5 secondes pleines sur David L'Espèce, poursuivi lui par contre par Pierre Closset. Olivier Vignon est quatrième et la cinquième place de Jean-François Jacoté qui à l'instant, au moment où on switch, va toucher le mur et Stéphane Bossard, surpris par la poussière, va peut-être subir la loi de Thomas Laforge. Le petit push du pilote de l'équipe indépendante. Oh là là, là ça a été à la limite pour tout le monde. En tout cas, la réaction enchaîne. L'erreur de Jean-François Jacoté, la frayeur de Stéphane Bossard et derrière, eh bien, Thomas Laforge en profite, pourquoi pas, pour s'insérer en sixième position. Vous découvrez pourquoi on appelle cette piste de la Nordschleife l'enfer vert, il n'y a pas d'autre mot. C'est ainsi que l'avait bâti le pilote Jackie Stewart, triple champion du monde de Formule 1, s'il vous plaît.
qui avait remporté, je crois, ici une course sous la pluie en 66, absolument superbe. Allez, Ludovic Ferrue à l'image. Derrière, Simon Pirard, un autre pilote du Team Sulit Martini, dans le top 10. Alors que là, la lutte avec Logan Joyeux à la poursuite de Romain Thomas. Alors attention, parce qu'Emmanuel Grossin perd une position pour Lecomte face à Xavier Evrard. On espère qu'il n'y a pas eu d'erreur. C'est très serré là entre les deux pilotes. On joue le point de la 10e place, on vous le rappelle. On l'attaque peut-être. Oh, c'est passé pour Logan Joyeux. Et derrière, Romain Thomas n'a rien pu faire. Regardez l'aisance avec laquelle Logan Joyeux prend ses distances. Assez impressionnant. On revient en tête avec Anthony Jans, qui lui est proche d'attaquer le second carrousel. On va vivre ce secteur-ci en vue télévisée parce que sincèrement, c'est un des plus impressionnants de cette boucle nord. Si l'on peut eh bien, retirer une partie un peu plus impressionnante que l'autre, celle-ci retient particulièrement mon affection avec ses jumps et ses enchaînements absolument magnifiques. Et David Lespèce qui a repris un petit peu d'espace face à Pierre Clossé, 4e Olivier Vignon, 5e Jean-François Jacoté, Stéphane Bossard. Vous voyez ici le petit train-train et Thomas Laforge, attention. Thomas Laforge de nouveau proche de la correctionnelle. On y va allègrement hein, sur les bords de piste pour Thomas Laforge. Et Stéphane Bossard, 6e avec qui nous allons maintenant suivre l'action. Et 4 roues hors-piste pour lui. Drapeau jaune dans le deuxième secteur, que s'est-il passé? Ça n'est pas pour un pilote de tête, semble-t-il. C'était une petite erreur. Anthony Hans, donc toujours au commandement. David Lespèce, 2e. Pierre Clossé, 3e. 4e, Olivier Vignon. Jean-François Jacoté poursuivi donc par Bossard et Laforge pour la 5, 6 et 7e position. Et Ludovic Ferrui, 8e, qui tente, lui, de garder le bon train. On attend de voir si ça va s'aspirer. Oh, attention, parce qu'il y a une erreur pour Pierre Clossé. Et Olivier Vignon n'en voudra pas plus pour récupérer la 3e place. Attention, on joue le podium entre ces deux pilotes. Vous voyez là-bas devant l'avance pris par tout au fond Anthony Hans et ensuite David Lespèce. Avec Logan Joyeux, 10e pour l'instant, qui est en train de tenter de remonter sur Simon Pirard. On le voit aux écarts, au chrono. En tout cas, pour l'instant, la lutte la plus serrée, elle est ici entre la 5, 6 et 7e place. Entre Thomas Laforge, 7e, Stéphane Bossard, 6e et Jean-François Jacoté. Un petit peu derrière, donc Ludovic Ferrui. Et un nouveau tour complété par les leaders. Et Anthony Hans qui semble pour l'instant imperturbable. Emmanuel Grossin qui vient d'abandonner. Ça a été confirmé. Et là, Gilles Chatin à la bagarre avec Tom Revox. Florian Bayon poursuit. Jérôme Chevasson également. Et Thomas Pinotto. Tous ces pilotes-là sont repoussés eh bien, en fin de classement suite aux incidents du premier tour. Hein, qui devra certainement opter pour la case box, c'est Xavier Evrard, dont il manque un bout du pare-choc avant. La voiture n'est pas complète. En tout cas, plus de soucis, semble-t-il. En tête, Simon Pirard poursuit la manœuvre. Et David Lespèce, 2e, également un peu plus loin derrière. Et Olivier Vignon qui n'a finalement pas su profiter de l'erreur de Pierre Clossé qui lui offrait peut-être une possibilité de récupérer une 3e place, mais ce n'est pour l'instant pas le cas. Et en effet, la lutte la plus intéressante pour l'instant se situe aux alentours de la 5, 6 et 7e position, avec évidemment
Jean-François Jacoté, Stéphane Bossard et Thomas Laforge que vous avez à l'image. Les trois voitures dans l'ordre. Et on plonge dans la boucle d'or maintenant pour tous ces pilotes. Et la lutte avec Simon Pirard qui a chuté à la 10e place, je crois, au profit de Logan Joyeux. On va entrer dans la partie nord de cette piste du Nürburgring avec la bonne dérive. Alors Simon Pirard, depuis le début de l'épreuve, nous offre des dérobades du train arrière absolument sublimes. Et c'est un des pilotes pour l'instant les plus impressionnants à suivre en piste. On va même vivre ça en vue extérieure pour bien apprécier les dérives du train arrière de sa belle allemande. Et Cyril Renault qui vient de s'emparer de la 15e place. Tout ceci au profit des box. Et le gros freinage et le mur pour Simon Pirard. Contact avec le mur de pneus pour Simon Pirard. Mais la solidité allemande n'est plus à prouver. Et la Porsche peut poursuivre son chemin. La voiture numéro 19 qui était donc à la dérive. Et qui est allé taper à l'entame de la boucle nord. Mais attention parce que ça pourrait poser des problèmes de... Ouais, voilà, la voiture qui n'est plus très droite. Est-ce que les rotules de direction n'ont pas souffert? Est-ce que les amortisseurs également n'ont pas été un peu pliés? Attention. Alors qu'on voit le brouillard qui est en train de... gagner certaines parties du fond de l'image. Pour l'instant, ça n'est pas arrivé jusqu'à nous en ce qui concerne la piste de la Nordschleife. Oh, et de nouveau la grosse dérive pour Simon Pirard. Depuis la voiture de Romain Thomas. Et voilà, Simon Pirard qui va laisser passer. Je crois que c'est terminé pour le pilote belge qui semble avoir des soucis. Alors que le Florian Bayon est maintenant au box. Oui, il y a un problème de stabilité. Elle n'est pas droite, cette voiture... depuis tout à l'heure. Alors il est encore 11e, il peut pourquoi pas rentrer et tenter d'aller marquer des points parce qu'en 40 minutes d'épreuve... Non, là il peut pas la tenir, là il peut pas la tenir mon ami. Oh, Simon Pirard, très belle maîtrise, il évite les Aramco. Et là il est bloqué. Ah ça c'est dommage. Allez, il était bloqué sur le vibreur. Alors celle-là on ne l'avait pas encore faite cette saison. Il avait posé le châssis de sa voiture sur le vibreur. Alors Simon Pirard qui fait le spectacle, mais pas de la manière dont il voudrait pour l'instant. Anthony Hans, quant à lui, fait eh bien, la démonstration. L'écart entre les autres ne bouge pas. Et seule cette lutte pour la 5, 6 et 7e place reste à nous captiver. Et l'erreur, attention, de la voiture en 6e place, celle de Stéphane Bossard. Et non, c'est Logan Joyeux qui a le skin de Stéphane Bossard, ce qui m'induit en erreur depuis tout à l'heure. Et Bossard qui ferme la porte à la limite. Et là, il y a un gros freinage en troisième à droite. Ça passe. En effet froid mais sec sur cette boucle nord. Et vous voyez qu'on joue à la limite de la piste. Très impressionnant la démonstration. L'aspiration, on va pas mettre le petit push hein, parce que... Oh, attention la dérobade pour Thomas Laforge. Voilà pourquoi il ne faut pas trop s'approcher de ses adversaires. On perd le grip, on perd l'appui surtout. Avec les différents moments de dévantage dans l'herbe, c'est légitime ici. On approche du premier secteur. Carousel en allemand. À la queue leu-leu. Et vous voyez derrière, Ludovic Ferrui a décidé de ne pas opter pour le carousel. Les deux abandons. On reste proche de la lutte.
Ah, et il nous manque une voiture. Il nous manque une voiture, donc j'ai rêvé. Et Arnaud Bâti en tête à queue, dans le mur, attention. Il va glisser contre les Armco afin d'éviter tout accident. Alors là, malheureusement, il est très mal placé. Il peut se remettre dans le bon sens et repartir alors que son équipier passe. Et Arnaud Bâti qui glisse, malheureusement. Je crois qu'on avait perdu un pilote. Thomas Laforge et Jean-François Jacoté sont là. Et voilà. Stéphane Bossard qui a donc fait une erreur puisqu'il est tombé 6ème et à quelques secondes de ses petits camarades qui eux continuent de se tirer la bourre pour la 5ème place. Là c'est très impressionnant ce qu'on vient de vivre. S'accroche véritablement au vibreur, assez impressionnant. Attention derrière la bagarre avec voilà une nouvelle position de perdu pour Stéphane Bossard. Qui, pourquoi pas dans les droites pourrait récupérer quelque chose. Thomas Laforge ne prend pas l'aspiration. Stéphane Bossard lui pourrait peut-être aller la chercher. C'est ce qu'il fait maintenant. Ah mais Stéphane Bossard là effectivement il lui manque le pare-choc. On ne l'avait pas vu jusque là. Il va peut-être falloir rentrer pour Stéphane Bossard. Va stopper. Non, ça a l'air de... Oui, voilà. Malheureusement, Stéphane Bossard qui doit observer un arrêt pour réparer les dégâts. Alors que devant, ben voilà, Thomas Laforge et Jean-François Jacoté s'expliquent. Pour la cinquième place, ils sont à moins de 5 dixièmes de différence entre les deux. Vous voyez l'arrêt au stand de Bossard sur le classement à gauche. On va refaire un point global sur le classement avec donc Anthony Hans, leader maintenant avec quasiment 10 secondes d'avance sur cet homme. David Lespèce, deuxième, troisième, Pierre Clossé qui avait un instant eu très chaud face à Olivier Vignon. Le premier homme à avoir fait une erreur en tête et avoir glissé de la troisième place. La cinquième place est très disputée à l'heure actuelle entre Jean-François Jacoté qui tente de la subtiliser à Thomas Laforge. Ludovic Ferroui, 7ème, un petit peu essolé. La bagarre la plus intéressante pour l'instant n'est pas, contrairement à ce qui est marqué sur la voiture, entre Logan Joyeux et... et bien entre Logan Joyeux et Romain Thomas. Alors qu'on remonte de l'épingle F1. Oh, la dérive de Logan Joyeux qui va perdre sa voiture. Et derrière, c'est Simon Pirard qui va arriver. Ah, il est un peu trop loin. Il va pouvoir repartir devant Logan Joyeux. Simon Pirard était trop en retrait pour en profiter. Alors que Cyril Renault a abandonné. L'abandon de Cyril Renault, malheureusement. Ah là là, malheureusement, Cyril Renault qui a dû rendre les armes. Et c'est compliqué pour Xavier Évrard qui s'est dit, mon Dieu, où sont les stands? Il les a finalement trouvés. Et au niveau des abandons, donc Emmanuel Grossin et Philippe Renault sont les deux pilotes à avoir pour l'instant abdiqué. Le passage de Fluxplatz avec les hommes de tête. Olivier Vignon maintenant. Et on va voir passer Jean-François Jacoté toujours à la poursuite de Thomas Laforge. Ces deux pilotes-là font une très belle course aujourd'hui.
en lutte pour la 5e place. Ludovic Ferroui, 7e. Avec un skin qui a l'air de plaire pas mal. Romain Thomas, 8e. Un peu plus loin, lui vient seulement d'entrer dans la partie Nordschleife. On va vivre quand même Fluxplatz sans sa compagnie. Logan Joyeux, 9e donc. Et après ces soucis techniques, Simon Pirard garde donc la 10e position. Et Thierry Daven, parti des box, si je ne dis pas... Non, c'était Philippe Renaud, pardon. Thierry Daven, parti, je crois, aux alentours du top 15, qui eh bien, est pour l'instant 11e. Ça se passe pas mal pour lui, alors que derrière, il y a des changements de position avec les pilotes qui rentrent au box. Passage de Pascal Cartier à Fuchsplatz. Stéphane Bossard qui est reparti après donc son passage obligatoire par les box et son pare-choc avant qui avait été arraché. David Brochstein parti, je crois, parmi les deux dernières lignes et qui pour l'instant 14e, juste devant Arnaud Batti, son équipier qui lui était un instant proche du top 10 mais qui, suite à une erreur, est allé taper les Armco et surtout retomber au 15e rang. 16e place, Mathieu Leclerc. Également dans ce secteur de Fluxplatz, alors que l'on a passé depuis 20 secondes maintenant le cap de la mi-course. 29 minutes d'épreuve encore, alors que sur cette Porsche-là, elle a dû subir quelques réparations parce que Thomas Pinotto n'a plus de capot moteur. Derrière, Jérôme Chevasson, 18e. Xavier Evrard, lui, 19e avec un capot avant et un pare-choc manquant surtout. Tom Revox 20e, Gilles Châtelain 21e et ensuite la liste des abandons, Cyril Renaud, Florian Bayon qui vient de repasser devant Cyril Renaud, Emmanuel Grossin et Philippe Renaud. Anthony Hans donc au commandement, ça s'est acté pour l'instant. Derrière on voit voilà le deuxième David L'Espèce qui vient à furtivement de passer devant votre écran et voilà à l'image Pierre Closset 3e, Olivier Vignon 4e et derrière bien voilà la 5e place avec les pilotes qui sont toujours à la lutte pour cette 5e place, Jean-François Jacotet qui reste proche, eh bien, on va dire dans la seconde, de Thomas Laforge. Ludovic Ferroui, 8e. 7e, pardon. Romain Thomas, 8e. Logan Joyeux, 9e. Et ensuite, Simon Pirard, 10e. Et la suite du classement, la lutte entre les deux pilotes de l'équipe Gold Coast pour la 14e et 15e place, avec Arnaud Batti. Anthony Hans, le leader. Allez, on va vous laisser vivre pendant un instant quelques secteurs embarqués avec le leader Anthony Hans pour vous montrer à quel point c'est impressionnant. Profitez.
Vous avez donc vécu quasiment tout le troisième secteur de cette piste de la Nordschleife en compagnie du leader Anthony Hans, qui complète un nouveau tour ici. Ce sera son quatrième. Alors pour ceux qui étaient là en début de retransmission, il y a un peu plus d'une demi-heure en ce qui concerne le départ de la course, et bien vous avez vu que le ciel s'est un petit peu assombri, en tout cas il est un petit peu plus grisâtre et brumeux que tout à l'heure, mais la température ambiante reste la même, 7 degrés, et la température de la piste est-elle toujours à 29. Deuxième place pour David Lespèce, vous voyez qu'il est dans la même image que son poursuivant Pierre Clossé, et vous apercevez dans le fond le quatrième Olivier Vignon, qui petit à petit cède des dixièmes à ses adversaires. En ce qui concerne la cinquième place, c'est toujours aussi indécis avec l'arrêt au box de Thomas Laforge. Attention, Thomas Laforge qui va donc stopper et perdre ainsi plusieurs positions, c'est logique. Logan Joyeux et lui derrière. Oh, et attention parce que là, Romain Thomas, il lui manque un bout de voiture. On n'a pas vu ça. Romain Thomas est glissé au 9e rang. Et surtout, eh bien voilà, le pare-choc avant de sa voiture est en train de faire le bonheur d'un des commissaires de piste de la boucle nord. Parce que là, il manque un bout. Et sans surprise, c'est dans la voie des stands que va se diriger Romain Thomas. C'est dommage. Simon Pirard poursuivi par Thierry Daven qui revient. Qui revient du Diable Mauvais pour pourquoi pas aller marquer un point. Ça reste tout à fait probable puisque là on va arriver dans la deuxième phase de compétition. Tout le monde est dans son rythme, tout le monde a bien la voiture en main, mais la voiture devient plus légère, plus agile et les pneus s'usent. Et pour compenser cela, il va falloir être un petit peu plus prudent. Et au moment de sortir des box, Thierry Daven se retrouve derrière Thomas Laforge, qui était donc tout à l'heure à la lutte, mais à qui il manquait eh bien peut-être deux vitesses ou une option de changer de gomme, pourquoi pas. On a vu différentes stratégies, certains disaient pouvoir aller au bout. Alors Romain Thomas, lui, a un peu plus de mal. Pascal Cartier, 12e, ça ne bouge pas. Stéphane Bossard, 13e également. Il y a un petit regroupement derrière, mais alors je vous avoue que je commence à avoir froid, à voir ces nuages s'accumuler, alors qu'il fait quand même assez bleu sur une grande partie de la piste. Ça reste quand même un peu plus nuageux que ce que l'on avait tout à l'heure. Mathieu Leclerc, 16e position, qui va aller peut-être rejoindre le top 15 au détriment de David Brochstein, qui sans coup fait rire ses cartes de manière assez sportive, pour ne pas dire impuissante. Et d'y avoir des conditions un peu plus humides sur cette piste de la Nordschleife, parce que là ça commence à être un petit peu plus grisâtre. En tout cas, David Lespèce, 2e, poursuivi par Pierre Clossé, ça ne bouge pas, les deux hommes sont toujours très 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 proches. On va aller voir du côté de la lutte la plus intense, c'est une nouvelle fois entre Simon Pirard, Thomas Laforge et Thierry Daven que cela va se jouer. Allez, en caméra embarquée avec Thomas Laforge. Nous sommes à la poursuite de la voiture du Team Spirit Martini de Simon Pirard, la numéro 19, qui pour l'instant est bien accrochée à la 8e place après des minutes difficiles en première moitié de course. Mais vous voyez qu'on est toujours en train d'attaquer, surtout de bloquer les roues, et le soleil qui est toujours un petit peu présent sur cette partie-ci de la piste. Mais dans le troisième secteur, c'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez que c'est également compliqué pour Simon Pirard, qui est en survirage total dans toutes les parties de piste. Le voici, Simon Pirard, qui va quasiment... Je crois que le volant ne doit pas être droit. On va aller voir ça. Ouais, non, ça a l'air d'être correct. Simon Pirard, donc prochaine cible de Thomas Laforge. On va rester en caméra embarquée avec... avec Thomas Laforge pour suivre cette bagarre. Il y a la 8e place en jeu. On vous rappelle donc les abandons: Cyril Renault, Emmanuel Grossin et Philippe Renault. L'attaque peut-être de Thomas Laforge ici, c'est très osé, ça passe. Ça passe à la limite pour Thomas Laforge. Et Simon Pirard n'a rien d'autre à faire que d'observer le pilote indépendant lui prendre cette 8e place. Pour l'instant, ça ne bougera plus. Et peut-être que Simon Pirard est toujours en proie à des problèmes.
et qu'il a pu regagner quelques positions suite à l'arrêt de ses comparses en piste. Vous voyez sur la gauche les écarts, pour l'instant pas de grosse lutte, peut-être voilà Stéphane Bossard qui résiste à Pascal Cartier, Pascal Cartier également qui revient de loin. Cartier qui perd un petit peu pied. On revient tout de même un instant sur l'homme de tête qui entame de nouveau le carrousel dans ce cinquième tour. Anthony Jans, alors qu'on est à 20 minutes, 20 minutes maintenant de l'abaissement du drapeau à damier dans cette troisième manche de la saison, qui pourrait voir peut-être Anthony Jans remporter la course. Ça n'est pas encore fait. On arrive dans une des sections les plus critiques de cette Nordschleife et surtout dans une des périodes les plus dures de la course. Et les pilotes qui ne pourront pas se reposer parce qu'il va y avoir rapidement le championnat GTE qui reprendra ses droits. Ce sera du côté de Bathurst si je ne me trompe pas. Simon Pirard qui continue d'évoluer en tête. Donc la deuxième place, vous avez David Lespès et l'écart s'est un petit peu resserré avec Pierre Clossé. On est à moins de 2 secondes d'écart entre les deux voitures. Simon Pirard qui est en train de se battre. Voilà, Simon Pirard qui a repris une position effectivement à Romain Thomas, puisque celui-ci a le pare-choc avant abîmé. Alors peut-être une erreur pour Romain Thomas, ce qui a permis à Simon Pirard de se replacer devant lui avec Romain Thomas et sa voiture blessée. Oh, c'était limite ça pour aller la rechercher. Oh, il va y aller. Oh, c'était sur la lame du rasoir pour Romain Thomas. Thomas qui a de nouveau la place et il va plonger avant le carrousel. Oh, et on va même plus le prendre là. Si, ça va, on arrive encore à s'y accrocher malgré le manque d'appui à l'avant et la lame cassée. Deux roues dans l'herbe. Là, on est en train de jouer à un jeu très dangereux. Il n'y a pas la place. Romain Thomas va de nouveau conserver la 9e place. Simon Pirard là qui a fait une petite erreur en voulant prendre trop de vibreurs. Oh, il est large dans certains virages mi-vitesse. Oh, et Simon Pirard qui a failli la perdre. Ils sont tous les deux à la limite, ces deux pilotes. On va les suivre de manière très attentive parce que là, on joue très très gros parce que derrière, il y a un candidat. Il y a un candidat qui a manqué de chance depuis le début de cette épreuve et qui pourrait se rattraper avec, pourquoi pas, le point de la 10e place. C'est Stéphane Bossard. Stéphane Bossard, 12e. Et le mur pour les deux pilotes. Les deux voitures dans le mur. Et Simon Pirard qui repasse devant, mais ça semble être difficile aussi pour lui. Oh là là, là vraiment ça ne va pas le faire. Les deux voitures sont maintenant pliées. Et on était à la limite, on vous le disait. Et celui qui va eh bien, tirer les marrons du feu, c'est Stéphane Bossard qui fait son retour dans le top 10. Mais derrière, ils sont deux. Simon Pirard à la limite avec une voiture blessée. Tout comme son adversaire direct 11e, Romain Thomas. Voilà, les rapports de boîte qui se passent de manière aussi un peu plus hasardeuse que tout à l'heure. Effectivement, il va falloir commencer à s'énerver, messieurs, parce qu'à 15 minutes de la fin de l'épreuve, on est proche des 3 dernières boucles de cette épreuve allemande. Thomas Binotto qui rentre, lui, dans le 15e, le top 15, pardon, 15e rang. Vous avez en bas à droite de l'écran les écarts avec donc 16 secondes d'avance pour Anthony Jans. Pierre Clossé n'est qu'à une seconde de David Lespès. On va aller voir ça. Et non, ça ne bouge pas alors que c'est grand soleil du côté F1.
Oh là là, on va aller mettre 4 trous dans l'air pour David Brostein. Attention. Xavier Ivrard, 19e. Tom Revox, 20e. Gilles Châtelain, 21e. Et donc, les trois pilotes ayant abandonné. On va revenir sur la lutte de la eh bien, 10e position. Même si maintenant, voilà, eh bien, effectivement, Stéphane Bossard, avec une voiture en pleine possession de ses moyens, parvient à faire le travail face à une voiture blessée, celle de Romain Thomas, une voiture pliée, celle de Simon Pirard. Pascal Gertier derrière et Arnaud Batty, pardon, 14e. Oh, et le tête à queue pour David Brostein qui est allé percuter le mur et qui va céder une position, la 17e, à Jérôme Chevasson. Mais ça peut malgré tout repartir pour David Brostein qui aura eu également un week-end difficile. La deuxième place est pour l'instant en train de se décider, alors qu'on va rentrer dans le dernier quart d'heure. Dernier quart d'heure de compétition. Et arrêt de Romain Thomas. Effectivement, il manque le pare-choc avant sur cette voiture. Il était plus sage de rentrer au box pour la remettre en état. Le secteur de Flugsplatz que l'on vient de passer. Pierre Closset, proche, pourquoi pas, d'une deuxième place, et ça le mettrait bien. On rappelle que Pierre Closset est pour l'instant leader de ce championnat de Porsche Super Cup devant Anthony Jans. Devant, pardon, David Lespès et Anthony Jans. Et là, si David Lespès termine de nouveau derrière Pierre Closset, ça va lui permettre de refaire un peu plus le trou au général. On vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble des informations du championnat sur le site flat6.ffsca.org, le site officiel du championnat. Et la lutte donc qui bat son blind. Drapeau jaune dans le troisième secteur. Ah bah voilà, Gilles Châtelain qui est allé visiter les contrées du massif de l'Eiffel. Oh, c'est quoi, c'est un problème de boîte? Non, ça va. C'est un problème d'adhérence, il peut repartir. Et quelque chose me dit que Tom Revox n'était pas loin d'être également dans le coup. David Brostein, logiquement après sa sortie, est passé par la case box. Ça rentre également pour Romain Thomas. Malheureusement, ça n'est pas la bonne entrée au stand. C'est qu'il a dû y avoir un souci. La lutte pour la 13e place avec Thomas Pinotto, le pilote du JW Motorsport, contre Arnaud Batty. Alors qu'ils entrent dans la Nordschleife, un peu moins de 13 minutes de la fin de l'épreuve. Donc ce secteur-ci est ensoleillé, alors que la 2e et 3e partie de la boucle d'or est-elle un peu plus fraîche. Pas de changement de température, ça reste pour l'instant sobre. Tom Revox, par la force des choses, reprend la 19e place, alors que Simon Pirard serait en train de partir à l'explication. Et voilà, bah Simon Pirard, il est allé au-delà de la limite et il se fait prendre la 11e place par Pascal Cartier. Et Thomas Laforge qui a donc gagné son duel face à Simon Pirard, qui de nouveau est allé taper les Armco. Alors que derrière, voilà, on revient à la lutte sur la bosse de Flugsplatz avec Thomas Pinotto, 14e. La lutte avec la voiture du JW Motorsport. Thomas Pinotto peut-il porter une attaque dans les prochaines encablures de cette piste de la Nordschleife? Thomas Pinotto toujours à la poursuite
d'Arnaud Batty. C'est pour l'instant la lutte la plus serrée à laquelle nous assistons sur cette Nordschleife. Devant, ça s'est un peu calmé. La seule lutte en tête qui pourrait nous intéresser, la voici. Et bien voilà, il suffisait de demander. Pierre Clossé qui réduit l'écart pour la deuxième place à un peu plus de 10 minutes. Drapeau jaune dans le deuxième secteur alors qu'il y a Olivier Vignon. Il a un pare-choc avant manquant. Quelque chose me dit qu'Olivier Vignon serait bien allé taper le mur. Et attention, deux secteurs sous drapeau jaune. Qui est allé sortir? C'est David Brochstein qui est allé de nouveau percuter le rail. Et là, oh, Mathieu Leclerc qui a frôlé la correctionnelle alors qu'il atteint le 15e rang pour l'instant. Thomas Pinotto toujours à la poursuite d'Arnaud Batty. Mais la lutte qui nous intéresse pour l'instant, c'est celle-ci. Entre Pierre Clossé, leader du championnat et 3e au général pour l'instant. Et 3e au classement de la course, bien sûr, et leader au général, on va parler français, qui tente de revenir sur un David Lespès pour l'instant impérial. Et on rappelle au passage que le pilote obtenant le tour le plus rapide et la pole obtient également des points au championnat. Alors, Olivier Vignon, 4e, va sûrement devoir stopper. Oh, et Simon Pirard, de nouveau, contraint à aller percuter les Armco. On va rester entre les deux luttes, entre Arnaud Batty, 13e, et la 12e place de Thomas Pinotto. Ça, c'est une des luttes. Et la seconde, c'est celle entre voilà, David Lespès et Pierre Clossé, qui refait son retard alors qu'on va entrer dans la grande ligne droite. Il faut faire travailler l'aspiration pour Pierre Clossé. Il faut aller rechercher absolument cette voiture. Les gommes sont usées, les hommes sont fatigués, et on entre peut-être dans l'avant-dernier tour de course. Bon, et ça va se jouer à quelques millimètres hein, pour Anthony Yates. Est-ce qu'il ne va pas non plus soulager un petit peu dans ce dernier tour pour voir... Ah non, 30 secondes, on a encore deux tours à faire, messieurs. Donc on entre visiblement dans ce qui sera l'avant-dernier tour de course. Voilà. Le 6e tour a été complété par Anthony Yates. Alors, est-ce que Pierre Clossé peut s'emparer de la 2e place? Il est pour l'instant à l'aspiration alors qu'on passe devant les box et qu'il y a drapeau jaune dans le 2e secteur. Pierre Clossé à l'aspiration, on va fermer l'intérieur. C'est logique pour David Lespès qui va tenter de résister, mais ça semble difficile. Face à Pierre Clossé, les deux voitures proches du contact. Et ils se touchent et ils vont se mettre tous les deux dans le mur. Incroyable! Le leader du championnat qui pousse, David Lespès, au moment de toucher les freins, et les deux bolides se sont déséquilibrés. Tout est à refaire pour Pierre Clossé. Regardez l'écart qui le sépare maintenant de David Lespès. On va aller voir un petit peu plus loin l'éventuelle raison de ce drapeau bleu. Alors, eh bien, David Brochstein a perdu son pare-choc avant, mais ça n'est pas récent comme action. Eh bien non, ben voilà, et malheureusement, le calme après la tempête. Ouais, Ludovic Ferruy qui a abandonné. Abandon de Ludovic Ferruy ou non? Il est toujours en piste. Non, je pense qu'il est toujours en piste. Malheureusement, c'est une erreur de caméra. J'ai eu un petit peu peur là sur le plan de caméra choisi. Bon, écoutez, pour l'instant, ça semble être plutôt calme à tous les niveaux. Gilles Châtelain à la bagarre. Ouais, la seule lutte qui pourrait nous intéresser, c'est Simon Pirard et... et Arnaud Batty pour la 12e place. Ce sont les deux pilotes les plus proches actuellement en piste. Et ça y est, Romain Thomas est passé. Le voici, 20e. Il vient de reprendre la position de Gilles Châtelain. Maintenant, 21e, le pilote de NGO Racing Team Speed. Bien simple. Alors, Pierre Clossé qui est allé, je pense, perdre encore quelques dixièmes là. Peut-être de la précipitation. Alors, ne vous fiez pas au chrono. Je pense que nous ne sommes pas dans le dernier tour, mais bien dans l'avant-dernière boucle de l'épreuve. Yeah.
le secteur de Flugplatz. Et un petit peu de calme sur cette boucle nord. Alors qu'on est proche des 5 dernières minutes du chrono. Ce qui nous laissera dans le dernier tour de course. Qui n'est pas celui-ci, je pense. Elle est à 20 secondes d'avance d'Anthony Yates. Qui n'aura donc pas marqué d'arrêt. David Lespèce. Donc deuxième, Pierre Closset, troisième, Olivier Vignon, quatrième, Jean-François Jacoté, cinquième avec Ludovic Ferroy, juste derrière, drapeau jaune dans le premier secteur, attention, qui est sorti, et oh, et Simon Pirard, malheureusement, bloqué contre le mur, et attention parce qu'il est caché, et le tête à queue pour Jérôme Chevasson qui est arrivé au même endroit. Voilà, Simon Pirard qui est très mal placé. Et voilà, et le choc, évidemment, avec Thomas Laforge. C'était inévitable. Simon Pirard qui était totalement masqué par le mur de pneus. Les drapeaux jaunes ont pourtant dû s'agiter, mais Thomas Laforge n'avait pas été assez prudent. Et ça va être dur pour Thomas Laforge qui vient de passer les box. À moins de sacrifier ce tour et de repartir à la fin du circuit F1 pour un nouveau tour. Mais ça risque d'être compliqué. Aïe, 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 c'est dommage. Là, Simon Pirard... qui aura vécu une manche allemande bien difficile. Pierre Closset peut-être de retour avant la fin de cette épreuve pour gagner une position. Ludovic Ferroy, tiens, revient pour la cinquième place sur Jean-François Jacoté en grosse difficulté. Alors attention, voilà, on est avec Jean-François Jacoté sur le pare-choc arrière. De sa voiture. Vous voyez donc Ludovic Ferroy à l'attaque. Nouveau drapeau jaune dans le deuxième secteur. Et la lutte qui continue de battre son plein. Oh, et ça y est, l'erreur, malheureusement. De Pierre Closset, peut-être surpris par les pneumatiques. En fin d'épreuve, et c'est terminé. Là, pour Pierre Closset, ça semble impossible de revenir, à moins que ça s'effondre. Jean-François Jacoté, toujours sous la menace de Ludovic Ferroy. Bâti derrière, non, Chevasson. Et Simon Pirard qui a pu repartir malgré le choc. Et encore 22 voitures en piste. Les abandons, Cyril Renault, Emmanuel Grossin et Philippe Renault. Bon, est-ce que Pierre Closset peut encore revenir? Alors, il reste 2 minutes 30 au chrono officiel de l'épreuve. Ce qui veut dire qu'Anthony Yates va donc terminer ce tour-ci et devra donc conclure un nouveau tour de la boucle nord. On espère qu'au niveau carburant, ça passera. Drapeau jaune dans le deuxième secteur, et voilà. C'est normal qu'il y avait drapeau jaune, parce que Jean-François Jacoté est allé taper les bas-côtés du carrousel, est allé taper surtout dans les Armco. Et Ludovic Ferroy n'en voulait pas plus pour revenir dans la lutte pour le top 5. Il y a des points à prendre, messieurs, n'oubliez pas ça. Et ce championnat est encore long, on vous donnera rendez-vous très vite pour la quatrième manche du côté de la piste de Barcelone, Catalunya. En Espagne pour la quatrième épreuve de la saison. D'ici là, vous pourrez retrouver le championnat GTE et sa deuxième manche du côté de Bathurst en Australie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir à 21h sur la chaîne Nvidia France pour découvrir Need for Speed. Allez, petit placement de produit au passage. Oui, Pierre.
Closset. Pierre Closset qui est peut-être en train de faire le travail. Et ça dérive beaucoup pour Pierre Closset. Il reste une minute. Il reste une minute et le leader ne va pas pouvoir soulager. Est-ce qu'Anthony Yates va soulager? Je pense que ça ne va pas être possible de soulager 20 secondes. Le rupteur du flat 6 de la belle allemande qui rugit. Attention, drapeau jaune dans le premier secteur. On ne sait pas qui est sorti. Tom Revox qui double David Bromstein qui doit encore avoir des soucis. Et il va donc falloir couvrir un dernier tour pour Anthony Yates qui a bien baissé de rythme, mais c'est tout à fait normal. Et bien ce tour-là n'arrange pas David Lespès qui va donc devoir résister à Pierre Closset, plus décidé que jamais à terminer sur la deuxième marche. En tout cas, cette lutte aura été véritablement intense. Olivier Vignon, avec une voiture blessée, reste quatrième, alors que derrière, c'est très chaud. On se bat toujours pour la cinquième place avec l'erreur tout à l'heure de Jean-François Jacoté qui a permis à Ludovic Ferwi de revenir se blottir dans l'aspiration et pourquoi pas porter l'attaque. On va suivre ça avec pourquoi pas l'extérieur, c'est original. Habituellement, on aime bien passer à part la gauche, mais cette fois-ci, c'est par l'autre partie du circuit. Il a peut-être été un petit peu vite, Ludovic Ferwi, parce que derrière, à l'aspiration, ça peut peut-être revenir et il pourrait se faire surprendre. Oh, il va se louper. Malheureusement, Jean-François Jacoté, avec la pression qui va se louper. Et le tête-à-queue. Et le mur pour Jean-François Jacoté. C'est dommage, il était bien installé à la cinquième place. Alors maintenant, il va falloir sortir. Alors, il doit sortir de ce trou-là et ça risque d'être compliqué. Drapeau jaune également dans le deuxième secteur. Attention. Ah, s'il est coincé, il va devoir laisser glisser la voiture et repartir. Voilà, ça y est. Il aura perdu du temps sur Logan Joyeux. C'est reparti, ça y est pour Jean-François Jacoté. Mais les espoirs de top 5 sont maintenant absolument terminés. Alors, qui était allé nous titiller les rails là pour nous provoquer un drapeau jaune? Là, c'est Mathieu Leclerc qui est allé toucher le bord de piste. Pascal Cartier manque toujours un museau, un aileron avant. Une lame, un fond plat par choc, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, il manque une partie de sa voiture. Alors la lutte, Pierre Closset. Allez, on vous fait vivre une dernière fois le secteur de Flugsplatz sans caméra embarquée avec Pierre Closset. À la lutte pour la deuxième place derrière David Lespès. Montez le son et profitez. C'est de nouveau un drapeau jaune dans le troisième secteur alors qu'on entre dans bien les dernières portions kilométriques de cette course. On va aller voir le drapeau jaune dans le troisième secteur pour qu'il est haut. Oh, il aurait été pour Simon Pirard, que ça ne m'étonnerait pas. Sans manquer de respect au pilote belge, mais là la voiture était dans une trajectoire bien spéciale au moment de la filmer. Jean-François Jacoté donc qui se coltinera le sixième rang. La lutte, vous l'avez vécu en caméra embarquée avec le secteur de Flugsplatz. Très rapide
avec Pierre Closset à la lutte derrière David L'Espèce. D'ailleurs, si vous avez des questions à poser aux pilotes de Formule électrique, ce samedi, je serai en direct de Londres pour piloter avec Jérôme D'Ambrosieu et Sam Bird. Si ça vous intéresse de suivre le stream sur du Forza Motorsport 6, vous pourrez vivre ça en direct grâce à l'ESL. Et on est en train de vous monter une équipe de France aux petits oignons. Vous allez être fiers de nous, les amis. Mais plus d'infos à l'heure où vous verrez cette VOD, c'est-à-dire vendredi, je l'espère, si les moyens techniques me le permettent. En attendant, je suis en train de perdre ma voix, pardon. En attendant, ce qui nous intéresse, c'est la lutte pour la deuxième place. Anthony Yates se dirige déjà vers le secteur du premier carrousel et ce sera terminé pour lui. Mais qui va terminer à la deuxième place? Cet événement sur Twitter et Facebook d'ici samedi. Ça se passera entre 13 et 16 heures, heure française. Max, y aura-t-il une rediff de la 320? Effectivement, vous pourrez retrouver dès demain la 320 TC Cup en VOD sur YouTube. C'est prévu pour demain soir, 16 heures, ce jeudi. Mais alors, vous verrez cette vidéo, ce sera déjà en ligne si vous regardez la VOD. La tête de course, on va y jeter un œil tout de même, avec le 7e tour complété par Anthony Yates, qui continue sa progression vers le drapeau à damier. On semble pouvoir être inarrêtable. Anthony Yates, David L'Espèce, deuxième donc maintenant, avec Pierre Closset, qui n'a pas dit son dernier mot. Le troisième secteur qui convient bien à Pierre Closset, qui pourrait pourquoi pas surprendre David L'Espèce. En tout cas, on reste attentif à ça. Olivier Vignon, quant à lui, est quatrième avec sa voiture blessée, mais il a assez d'avance sur Ludovic Ferwi, débarrassé de Jean-François Jacoté, alors qu'il se battait pour la cinquième position tout à l'heure. Logan Joyeux, septième. Stéphane Bossard, et huitième. Thierry Daven, neuvième. La dixième place pour Thomas Pinotto, finalement le pilote de la JW Motorsport, pardon. Pascal Cartier, onzième. La douzième place pour Arnaud Batty. La treizième pour Jérôme Chevasson. La quatorzième pour Mathieu Leclerc. Thomas Laforge, et quant à lui, 15e, Simon Pirard, après tous ses déboires, et 16e, et Thomas Brochstein, 17e, Tom Revox, 19e, tente quant à lui de rallier l'arrivée avec une voiture également blessée. Le secteur le plus technique et le plus dangereux, c'est le dernier, les derniers hectomètres et les derniers kilomètres encore, on peut dire ça ici, de cette troisième manche du championnat, qui va sans doute voir la victoire d'Anthony Yates, le pilote belge du team Spirit Martini, qui aura mené d'une main de maître cette épreuve sans jamais céder, si ce n'est au départ où il avait été débordé par David L'Espèce, mais ça n'était que de l'ordre de quelques secondes avant de reprendre son bien. Allez, la dernière accélération dans la grande ligne droite, la petite butte et la libération. Il y a encore un freinage, il pourra prendre ses aises pour le dernier S. Et ensuite, il pourra fêter la victoire. Alors que là, on entend le flat 6 pour une des dernières fois ce soir. Merci d'avoir été plus de 110 à rejoindre cette VOD et ce direct. Surtout, on vous donne rendez-vous pour la VOD. Allez, le dernier secteur avec le tunnel et la descente, le pont. Allez, le rupteur pour le bloc flat 6. Le dernier freinage pour Anthony Yates, qui va voilà, passer le S à droite et à gauche. Et c'est fait. Victoire d'Anthony Yates, qui remporte pour la deuxième fois une course de cette Porsche Super Cup 2016 by FFSCA. Et c'est fait. Victoire d'Anthony Yates au bout de 8 tours de compétition. La deuxième place va être très serrée. On se croirait revenu en 92 entre Checotto et Klaus Ludwig, mais cette fois-ci, Pierre Closset n'aura pas l'opportunité de mieux ressortir que David L'Espèce. Et c'est David L'Espèce qui terminera deuxième de cette épreuve au terme d'une superbe lutte avec Pierre Closset. Nous connaissons donc le podium, Yates, L'Espèce, Closset. Pierre Closset qui confirme donc son leadership. La quatrième place, on l'attend. On va l'accueillir un à un au transpondeur. C'est Olivier Vignon qui, après avoir lutté un temps pour la troisième place,
eh bien, aura cédé avec une voiture blessée, mais sera arrivé au bout avec une belle marge sur ses poursuivants. En tout cas, la lutte pour la deuxième place aura été très intense. Olivier Vignon va recueillir, voilà, la quatrième place de l'épreuve. Il aurait mérité aussi le podium, mais très beau pilotage d'Olivier Vignon. Et finalement, Ludovic Ferroui, cinquième, débarrassé d'un Jean-François Jacoté qui aura passé plus de 40 minutes au poste de cinquième de cette épreuve, mais qui aura cédé dans la dernière boucle après une erreur, voulant attaquer pour cette position. Cette cinquième place qui lui aura été, eh bien, non pas fatale, mais qui lui aura posé beaucoup de soucis. Et ce sera tout de même une belle sixième place, une arrivée dans les points. On rappelle que les 15 premiers ont des points et qu'on inverse le nombre de points pour le nombre de positions. Donc le premier 15 points, le 15e 1 point, et inversement à l'intérieur. Alors que derrière, il y a une grosse bagarre, on va aller voir ça peut-être. Parce que ça risque d'être l'explication. On était avec... pour la lutte pour la... Oh, il y a une voiture dans le rail. Et Xavier Évrard qui est allé titiller les Armco. Alors là, oui, il y a la lutte pour la 14e place. On va revenir quand même devant. Avec donc Jean-François Jacoté qui vient de passer le transpondeur. Et restez avec nous dans un instant l'interview des trois pilotes. On a hâte de voir l'explication de David Lespèce et de Pierre Closset. La 7e place de Logan Joyeux. C'est maintenant fait et le passage des box pour Anthony Jans qui rentre voilà, sur la droite. Stéphane Bossard également, belle performance, 8e place pour le pilote du Blue Sky Racing Pro. Et Thierry Daven, 9e, qui va ramener le fruit de la 9e place. Une belle lutte. Voilà Thierry Daven, libéré par le drapeau à damier, c'est terminé. On va compléter le top 10 avec Thomas Pinotto qui va mettre un point pour le JW Motorsport. Alors que derrière, Tom Revox perd une position, même une deuxième. Ça a l'air d'être le mur pour Tom Revox. On n'a plus le droit au drapeau jaune sur l'affichage de la direction de course, mais ça doit être un souci de sortie de piste. Et donc Thomas Pinotto qui complète le top 10. La 11e place sera pour Arnaud Batty, on l'espère. Alors que derrière, il n'y a plus réellement de lutte. Tout le monde est là. Ah si, peut-être pour la 17e place entre David Brochstein et Xavier Évrard qui doit visiblement avoir un gros problème parce que la voiture maintenant est complètement pliée. On a vu donc Thomas Pinotto recueillir la 10e place. La 11e pour Arnaud Batty qui va passer maintenant au niveau du transpondeur. La 12e place pour Pascal Cartier. Voilà Pascal Cartier, alors que l'on voit les autres pilotes de tête rentrer au box. Voilà, la 12e place de Pascal Cartier est maintenant actée. Jérôme Chevasson, 13e. Un nouveau pilote avec... Oh, attention à ne pas se faire surprendre dans le dernier virage, ce serait vraiment dommage pour Jérôme Chevasson. Il faudra revoir la rigueur au niveau du choix des skins parce qu'il y a eu pas mal de soucis. Mathieu Leclerc, 14e. Allez, 14e place pour Mathieu Leclerc. Et on va eh bien, rester là pour le classement avec donc Thomas Laforge, 15e. On va poursuivre la soirée avec eh bien, l'interview des trois premiers pilotes après cette épreuve. Donc on va, eh bien voilà, alors que Thomas Laforge passe le transpondeur, on va donc maintenant aller cueillir les trois pilotes en cabine de commentaires. Donc on va aller retrouver tout d'abord, on va tout d'abord accueillir donc Anthony Jans. On va aller chercher la suite, donc Pierre Closset qui va nous rejoindre.
Pierre Closset qui nous rejoint donc en cabine également. Et il nous manque donc David Lespèce que je vais également trouver si j'y arrive. Lalalala. Vous avez beaucoup trop d'équipes, messieurs, ça devient compliqué. Voilà. Voilà, donc le podium en notre compagnie. On va monter un petit peu le son, qu'on vous entende bien. Bonsoir ou rebonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, on va commencer comme à l'habitude dans l'ordre inverse du classement. On va parler avec Pierre qui donc était jusque-là leader du championnat. Si je ne dis pas trop de bêtises, il est de nouveau en tête, à moins que les calculs m'aient été faussement donnés. Pierre, donc toujours leader du championnat après trois manches. Explique-nous un petit peu comment tu as vécu cette longue bagarre pour tenter d'aller arracher cette deuxième place qui t'échappe à quelques dixièmes. Quelques erreurs aussi, ce qui est tout à fait excusable sur une piste comme la Nordschleife. Raconte-nous comment toi tu as vécu cette épreuve allemande. Oui, déjà le départ, je me rate un peu, je patine, donc je perds une place. Ensuite, il y a Olivier qui fait une faute devant, et je pensais que David allait rester plus ou moins à 3 secondes. Bon, il a fait des erreurs, moi aussi, puis finalement on s'est rapproché. Ouais, quand j'ai essayé de le doubler, là, je ne sais pas, je pense que c'est moi qui ai fait l'erreur, j'ai oublié qu'il était à l'intérieur, je pense que j'ai trop serré, je ne sais plus, il faudra que je regarde. Mais ouais non je pensais faire troisième et je fais troisième donc ça me va. Ça va, donc l'objectif est avant d'arriver sur la Nordschleife était rempli. Donc voilà, donc une course qui s'est bien passée finalement pour toi. Au niveau de la tenue de la voiture, on en a parlé un petit peu avec Anthony tout à l'heure qui disait que voilà, sur la fin ça allait être compliqué, surtout avec un tour supplémentaire au temps officiel de la course. Comment tu as géré toi notamment les pneumatiques qui ont été mis à rude épreuve ici? Bon, gérer c'est un grand mot. Non, j'ai pas vraiment géré les pneus. J'ai pas non plus trop attaqué. Il y a juste sur la fin, vraiment, je veux dire la dernière moitié où là, je pense que j'avais plus d'avant. À un moment donné, je ne sais pas le nom. Enfin, il y a deux virages rapides à gauche et là, la voiture a été à droite quoi. Elle n'a plus tourné. Donc à partir de là, je me suis dit bon, on va être plus gentil. Et, de toute manière, je n'aurais jamais su redoubler David. Avant la fin, donc j'ai laissé tomber. Très bien, bah, tu as laissé tomber, mais tu termines pas loin quand même. Hein, au Oui. niveau, je crois qu'il n'y avait même pas une demi-seconde entre vous. Oui, mais je savais que c'était pas possible de le doubler, il y a pas D'accord, la tu as place. pris l'aspi, mais sans plus. Ouais, voilà. Bah, écoute, merci Pierre pour ces quelques mots. Tu restes donc leader du championnat. On te donne rendez-vous, et eh bien pourquoi pas sur la piste de la prochaine épreuve qui est Catalogna, donc en Espagne. Tu peux nous dire un mot sur ce que tu penses de ce circuit en tant que bah, voilà, leader du championnat? Bah déjà tu m'apprends que c'est catalan. Si je ne dis pas de J'avais pas bêtises, hein, qu'on me regardé. corrige Non si... non 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 c'est moi qui ai pas regardé. pas de problème. Oh bah j'espère déjà être mieux préparé. Parce que ici j'étais malade tout le temps donc c'était un peu compliqué. Moi je trouve ça un circuit quand même rapide, je trouve un peu. Bah je vais dire typé Nordschleife, des virages quand même rapides, une partie un peu technique sur la fin. Donc on verra. Moi je pense que ça va aller. Ça va. Bah écoute, merci en tout cas Pierre pour tes retours. On va te laisser rejoindre ton équipe pour le débriefing. Merci en tout cas d'être passé ce soir pour répondre à nos questions. Merci à toi. Alors on va passer au deuxième. David Lespèce qui David avait été un moment en tête. Ça n'a pas été long. Ça a duré quelques hectomètres au départ, mais qui s'est ensuite calé en deuxième position pour eh bien ne plus la lâcher. Raconte-nous David comment tu as vécu cette course et la remontée et les nombreuses attaques de Pierre Clossé derrière toi que tu as dû à maintenir et contenir tout au long de cette épreuve d'une heure. Bah écoute, ouais c'était un petit peu chaud. Alors déjà j'étais pas sûr du tout de faire la course parce que pour tout te dire j'ai la grippe donc j'étais pas vraiment frais pour faire la course. Surtout ici au Nordschleife, c'est pas le bon endroit pour être malade. En effet. Mais bon, ouais le départ j'ai failli être content, mais pas longtemps. Voilà, comme tu as dit, parce que Pierre, enfin Anthony, pardon, m'a fait les freins, donc bon, j'étais mieux parti, mais il m'a fait les freins, donc je savais que c'était cuit, parce que bon, il avait un rythme qui était supérieur à moi. Moi, j'avais choisi pour la course de modifier légèrement mon setup, justement pour garder les pneus arrière, qui chez moi s'usaient pas mal. Du coup, j'allais un peu moins vite. Et c'est sans doute aussi pour ça que Pierre me collait autant.
Je me suis fait une énorme frayeur, je crois, à la fin du deuxième ou du troisième tour. Tout au bout de la ligne droite, au freinage, ben, j'ai fait un 360. D'ailleurs, Pierre a failli me rentrer dedans. Enfin, moi, il était gentil, il est resté derrière. Il a été très sympa. Et du coup, après, ouais, bon, ça a été compliqué de le contenir. Notamment, ben, je sais plus c'est, quel tour c'était. Je crois que c'était le sixième tour où on s'est touché sur. Bah vous êtes partis au premier freinage. C'est magnifique, pas chassé dans le premier freinage. Vous êtes partis en glisse tous les deux. C'était synchronisé, c'était très joli à voir. Je pense que personne n'a rien touché, à moins que non. Je dise une bêtise. Non. Voilà, donc c'était sans conséquence, mais on vous a vu. Voilà, c'était très serré, effectivement, et c'est allé un peu plus loin qu'être serré, puisque c'est allé au contact. Donc voilà, ça s'est bien passé pour vous deux, fort heureusement. Ça s'est pas passé pour tout le monde aussi bien derrière, mais bon, ça vous verrez un petit peu plus tard avec la VOD. Mais il y a des pilotes qui se sont fait surprendre et qui sont restés bloqués sur un vibreur, notamment. Voilà, donc merci David. Toi aussi, on va te demander aussi un avis peut-être sur la prochaine manche en Espagne, à Barcelone. Qu'est-ce que tu penses de ce circuit? Ah, c'est pas un de mes circuits préférés, mais bon, c'est un circuit qui est très complet. Bon, on sait que notamment tous les teams de F1 vont faire leurs essais là-bas, donc c'est pas pour rien. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a du lent, il y a du rapide. Enfin voilà. Donc un circuit d'école, circuit classique. Voilà, circuit d'école, circuit complet. Voilà. Très bien. Bah écoute, merci David pour tes retours sur cette course et merci encore pour cette bagarre avec Pierre. On s'est régalé. Merci à toi. Merci. Anthony, vainqueur donc de cette épreuve de la Nordschleife. Rebonsoir. Rebonsoir. Voilà, alors le pilote n'est même pas, il a même pas sué un petit peu avec son volant. Voilà, raconte-nous comment tu as survolé cette épreuve et surtout le départ qui a été le point, je pense, le plus chaud, du moins du point de vue extérieur de ta course. Comment tu as vécu le départ dans un premier temps et ensuite comment tu as géré ton avance pour terminer avec, je crois, un peu plus de 20 secondes sur David. Le départ, ça a été pas raté, mais presque. Donc David est super bien parti. Et voilà, je savais bien que le deuxième virage était vers la gauche, donc il y avait possibilité en freinant tard de maintenir à l'intérieur. Mais David a joué la sécurité, je pense. Donc ça a été tout à vraiment pour de mon côté, quoi, à mon avantage. Et après, bon, le premier tour, prudent, j'avais un petit peu peur avec les 100 litres d'avoir une mauvaise blague. Et puis après, ça a été, je veux dire, ça a été assez facile, quoi. La voiture se conduisait vraiment bien et voilà, comme derrière ça se battait, ça a été plutôt calme pour moi, quoi. Voilà. Alors on a vu les deux pilotes qui te suivaient, un se plaindre du train avant, l'autre du train arrière qui suffisait un peu plus. Toi, au niveau des pneus, visiblement, ça allait. Le tour supplémentaire ne t'a pas posé de soucis de gestion? Tu n'as pas eu de stress supplémentaire sur la voiture? Non, franchement, la voiture de A à Z, elle s'est super bien comportée. Je pense que mon plus mauvais chrono, c'est 3 tours avant l'arrivée, 8.32. Après, c'était 8.31 dans le dernier, donc ça s'est vraiment... Ça s'est vraiment très bien comporté de A à Z, quoi. Oui, quand on rappelle que tu étais juste en 8.28, je crois, au qualif. 26, je crois, 26. Ouais, le meilleur tour en course, c'est 8.29, ouais. Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'écart, donc on peut dire, comme on dit dans les termes techniques, tu as bombardé. Voilà. Écoute, on va te demander aussi, voilà, la prochaine manche, tu reviens après, voilà, une première manche qui a été difficile à Interlagos, où tu as terminé dans le mur où on t'a harponné, ici, voilà, une nouvelle victoire. Le championnat reprend, on va dire, sa forme habituelle, si vous nous suivez depuis quelques mois. Voilà, est-ce que tu penses que tu pourrais de nouveau reprendre un avantage à Barcelone, où c'est un circuit qui, comme David, est voilà, assez lambda et sans plus d'intérêt? Non, bah, pas comme façon, David, pardon, pas comme David, comme le dit David, hein, parce que David n'est pas lambda et sans ouais. intérêt. Ça pouvait être mal interprété ce que j'ai dit, navré. Ah, faut pas grave, dire ça au président. Ouais, c'est un peu comme David, ça circuit. Enfin, moi, c'est pas trop un circuit que j'apprécie beaucoup, donc voilà, c'est pas. Pas quelque chose de, c'est pas un circuit qui me plaît énormément, mais bon, après, je pense qu'après le Nordschleife, on a un peu paré à tout, hein, je pense. Donc, oui, oui.
Et puis le calendrier nous réserve encore quelques belles épreuves, notamment Monaco, que j'ai hâte de voir, mais ce n'est pas la seule épreuve. On vous tiendra au courant des différents événements. On va vous mettre sur le direct, tiens, le calendrier, comme ça vous allez pouvoir le découvrir. Voilà, donc la prochaine manche, c'est bien Barcelone, ensuite ce sera Monaco, et puis le Hungaroring, Sochi en Russie, puis Spa, Monza, Silverstone, Batter, Suzuka, et la finale à Macao qui risque d'être détonnante. Enfin, on a encore le temps d'ici la 13e et dernière épreuve de la saison. Eh bien écoutez messieurs, merci d'avoir pris le temps de venir discuter un petit peu après cette très éprouvante épreuve de la Nordschleife. Merci à tous les trois, bravo, félicitations et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Alors merci à vous. Merci, merci à toi. Allez, on va maintenant mettre un terme à cette diffusion. Merci d'avoir été plus de 110 à vous joindre ce soir au direct. En tout cas, c'est à peu près ce que nous disent les chiffres de ce soir. Vous êtes encore une petite cinquantaine, donc merci à tous. On se donne rendez-vous très vite pour la VOD. Le PC est remis sur pied. Nous sommes repartis de plus belle, les amis. Ce sera à nous maintenant d'assurer les directs. Merci à toutes celles et ceux qui ont décidé de passer leur mercredi soir en ma compagnie. Merci, ça a été un plaisir pour moi de vous faire vivre cette troisième manche en direct de la Nordschleife. Et on se retrouve demain à partir de 21h, non pas sur cette chaîne Twitch, mais sur la chaîne Twitch Nvidia France, pour une petite soirée Need for Speed. Restez au courant, vous avez tout pour vous, les réseaux sociaux et la chaîne YouTube pour les VOD. Merci, bon amusement en piste, ciao, à la prochaine. Didn't think we could fall in love. Broken from the start, chained to our past.